peut y aller. Bonsoir à toutes et à tous, présents et ceux qui nous suivent à distance. Monsieur l'ambassadeur de France, cher Jean-Maurice, on est très heureux de t'accueillir dans ce cycle de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains pour cette 9e conférence de ce cycle qui est consacré à la paix, aux conditions de la paix, même si pratiquement à chaque conférence, mais je crois que tu démentiras ce qui a été cette suite jusqu'ici, on n'a fait que parler de la guerre, mais je le disais dans ma propre conférence, c'est de toutes les façons un travers, hélas, dans lequel on tombe souvent. Et tu es venu nous parler aujourd'hui de multilatéralisme et de paix, de l'ONU, évidemment parce que ça a été un moment au cœur de ta carrière, mais je dirais la carrière d'un diplomate français très chevronné, ayant eu à la fois des responsabilités en cabinet ministériel auprès de Michel Rocard, puis de Lionel Jospin. C'est là qu'on a partagé un certain nombre de moments, et notamment une guerre. Et je dois dire que notamment pour cette guerre des Balkans, il y a eu après la problématique de l'engagement en Afghanistan, mais pour la guerre des Balkans, ta vision des choses assez prémonitoire et assez en avance m'avait aussi convaincu dans mon domaine de contribuer à prendre les décisions qui ont été prises. Et puis je disais une carrière de diplomate chevronné dans un certain nombre de postes en ambassade, consul général à Los Angeles, ambassadeur de France en Grèce, représentant permanent de la France d'une part à Genève, puis ensuite à New York au Conseil de sécurité, 2007-2009. Ensuite, tu étais envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'aide au Pakistan, 2009-2011. Chef de la délégation de l'Union européenne en Turquie, 2011-2013. Ambassadeur de France en Fédération de Russie, 2013-2017. Et là, on s'est retrouvé sur quelques négociations que la France avait avec ce pays alors. Ambassadeur de France en Chine, 2017-2019. Vous voyez, pratiquement tous les postes des plus importantes représentations diplomatiques de la France à l'étranger. Et aujourd'hui, tu es président de l'ONG Plan International France. Très heureux de te recevoir ici. Ton visage est familier parce que tu es aussi intervenu assez souvent dans les médias, justement, en fonction de cette expérience en Chine et bien sûr en Russie, à cause de la guerre en Ukraine. Mais ton propos, il est ciblé, je le disais en commençant, sur les problématiques du multilatéralisme, de la paix et sur une grande question que, évidemment, met en avant la question de l'Ukraine. Est-ce que c'est un retour à une forme de mort clinique de l'ONU, du Conseil de sécurité, de la gestion collective? Comment on doit revoir les choses à la fois à l'aune de cette guerre, mais d'une certaine manière, de façon plus générale? Est-ce que l'ONU est irréformable? Est-ce que les grands principes qui ont été développés depuis 1945, depuis 1990, j'ai oublié de citer aussi ton expérience auprès de Kouchner, et donc toutes les problématiques et tous les espoirs qu'on avait mis dans des grandes évolutions du droit, et notamment du droit humanitaire. Est-ce qu'il faut ferrailler tout ça avec le retour des puissances et de la confrontation des États entre eux? Voilà, juste, je m'arrête là, des petits points d'interrogation pour introduire ta conférence. Comme d'habitude, vous le savez, à peu près trois quarts d'heure de conférence, un échange avec notre conférencier, et puis l'échange avec la salle. Jean-Maurice, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, cher Louis, cher Louis Gauthier, mesdames et messieurs. Oui, si je me souviens bien, la dernière fois qu'un président a dit qu'une organisation était en état de mort cérébrale, ça l'a plutôt revitaminé. Donc, je ne peux pas dire que les Nations Unies sont en état de mort cérébrale, même si j'espère de tout cœur que cette intervention très modeste, vous convaincra que nous avons plus que jamais besoin de l'Organisation internationale, de l'Organisation des Nations Unies. Merci en tout cas de m'avoir invité à participer à ce cycle éminent, et je suis d'autant plus honoré et ému que, je dois l'avouer, je n'ai jamais étudié le moindre jour sur les bancs de l'université. Donc je suis toujours un peu ému quand j'y parle, avec un certain sentiment de ne pas être tout à fait à ma place.
Je voudrais dire aussi en préambule que je ne suis ni un intellectuel, ni un chercheur, ni un universitaire. Je suis un praticien. J'ai été un praticien de la diplomatie. Et c'est donc sur mon expérience personnelle sur le terrain que je souhaite m'appuyer dans les remarques que je vais faire. Effectivement, ayant consacré la plus grande partie de ma carrière et de ma vie professionnelle et personnelle à m'occuper des questions multilatérales, à m'occuper du système des Nations Unies, d'abord auprès des Nations Unies, puis au sein des Nations Unies, et aujourd'hui comme vice-président de l'Association des Nations pour les Nations Unies, l'Association française pour les Nations Unies. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Nous venons de publier en ligne un ouvrage qui s'appelle « La France et les Nations Unies ». Et donc, si ça vous passionne, on peut le trouver sur le site de mon association www.afnu.fr. Donc, je vais consacrer l'essentiel de mes propos, le cœur de mon propos à la défense et illustration du multilatéralisme et des Nations Unies. À partir de remarques qui me sont strictement personnelles, je suis à la retraite, je n'engage absolument que moi. Le monde vient de connaître, c'est une banalité de le dire, mais toujours est-il de le rappeler, l'une des plus terribles périodes de son histoire depuis le second conflit mondial. Le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité s'accélèrent au lieu de se réduire, comme on pouvait l'espérer après la conférence de Rio en 1992, et comme s'y étaient engagés les États signataires des accords de Paris, de l'accord de Paris en 2015. Depuis, les engagements ont été répétés, les promesses de financement additionnels ont été faites, rien ne semble y faire. La pandémie du Covid-19 a réveillé le spectre des grandes catastrophes du Moyen-Âge et du début du siècle dernier, et surtout, de mon point de vue, fait reculer partout dans le monde la réalisation des 17 objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies dans le cadre de son agenda 2030. Les conséquences s'en font encore sentir parce que les populations les plus précaires, au nord comme au sud, en sont les premières victimes, subissant une double peine. Moins bien protégées sur le plan sanitaire, ne disposant que de peu de marge de manœuvre financière, malgré des efforts notables de la part du FMI, il faut le souligner, devant faire face à la fois au rapatriement d'investissements étrangers par les pays du Nord, à une crise de la dette, chinoise notamment, j'y reviendrai, les pays en développement resteront longtemps encore les derniers à bénéficier de la reprise de la croissance. Ne vous étonnez pas si je parle de beaucoup de sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre et la paix, mais aujourd'hui, on parle de paix globale, on parle de guerre globale, donc on doit parler de paix globale. C'est tout ce qui fait la légitimité, évidemment, du multilatéralisme, c'est la globalisation des problèmes. Des conflits meurtriers continuent d'ensanglanter plusieurs continents. On l'oublie un petit peu, fascinés que nous sommes, et c'est bien normal, par la guerre en Ukraine. Des guerres civiles ou par proxy, je n'ai pas besoin d'en citer beaucoup, le Yémen, la Birmanie, la République démocratique du Congo, la Libye, l'Éthiopie, qui vient de subir une des guerres les plus atroces que le monde ait connues dans une indifférence absolument totale du monde. Guerre civile. Et la guerre s'est évidemment de nouveau abattue sur l'Europe, alors que nous pensions que nous en étions guéris, notamment grâce à la construction de cette incroyable Union européenne qui, quand même, globalement, je le rappelle, depuis 70 ans, nous a apporté, sauf erreur de ma part, les historiens me corrigeront, la plus longue période de paix en Europe de l'Ouest depuis le Moyen-Âge. Le terrorisme n'a pas disparu et les mouvements qui le pratiquent ne se cachent même plus derrière une idéologie religieuse. Mais ils recourent de plus en plus tout simplement pour cacher des trafics de tout genre, de biens et de personnes. Ne jamais l'oublier. Enfin, la poussée des régimes nationalistes, xénophobes et ou autoritaires partout dans le monde, y compris en Europe, pas très loin de chez nous, fait reculer partout le respect pour les droits humains qui pourtant, contrairement à ce qu'on a dit, avait beaucoup progressé depuis les années 90. Le droit international et notamment le droit humanitaire, j'y reviendrai, recule partout et l'impunité regagne une partie du terrain perdu. Ces évolutions défavorables ont deux conséquences majeures. Le questionnement des bienfaits de la démocratie dans nos pays, au profit des pays et des mouvements
non démocratiques qui s'en réjouissent et qui, évidemment, essayent d'en profiter pour renforcer leur influence. Et deuxième conséquence très importante et plus proche de mon propos, la remise en cause du système multilatéral conçu en 1945, centré sur l'Organisation des Nations Unies. Tous les conflits que j'ai évoqués, plus ou moins, sont tous d'origine humaine. Et quant aux catastrophes dites naturelles, elles se multiplient et elles sont aggravées dans leurs conséquences par des activités humaines ou par l'inactivité de la communauté internationale. Il suffit de citer, là encore une fois, la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, qui sont évidemment d'origine humaine. Les premières victimes de tous ces conflits et de toutes ces catastrophes sont toujours les populations civiles, et notamment les femmes et les enfants. Sur fond de réveil du spectre de grandes famines, on l'a peut-être écarté, ça n'est pas sûr, entraînant des dizaines de millions de réfugiés et de personnes déplacées sur les routes. Pour la première fois l'année dernière, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, la barre des 100 millions de personnes réfugiées ou déplacées a été franchie l'année dernière, pour la première fois. Il faut souligner, et là je parle aussi un petit peu en tant que président de l'association Plan International qui s'occupe d'enfants, que la situation des filles est à cet égard particulièrement préoccupante, y compris dans les rapports très documentés des Nations Unies. Parce que dans toutes ces situations, se multiplient les violences sexuelles, les mariages précoces. Je vais vous donner un chiffre qui va vous stupéfier. Une jeune fille est mariée avant l'âge légal dans le monde, toutes les 12 secondes aujourd'hui. Et ces nombres sont en train d'exploser. Les enlèvements d'enfants, on en a eu l'exemple encore récemment en Ukraine avec les pratiques russes, le harcèlement, l'enfermement, le refus d'éducation, pensez tout simplement à l'Afghanistan. En période de crise, les filles rentrent à la maison et elles sont mariées de force. Des millions de citoyens du monde sont privés par leurs propres dirigeants de leur liberté fondamentale et du respect le plus élémentaire de leurs droits, pourtant reconnus par la Charte des Nations Unies de 1945, et bien sûr par la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, en 1948, sans parler des innombrables conventions internationales qui ont décliné ces droits universels, indissociables, imprescriptibles. Enfin, la révolution technologique qui s'accélère, l'Internet, les réseaux sociaux, la reconnaissance faciale, toutes les formes de l'intelligence artificielle, qui pourrait et devrait être un facteur de progrès en libérant la parole, et en facilitant l'accès aux libertés des citoyens, est devenu également un outil de déstabilisation des démocraties, fake news, cyberattaques, complotisme et de renforcement des régimes autoritaires. Le monde est-il devenu fou ? Les organisations internationales, créées dans le sillage de l'Organisation des Nations Unies, seraient-elles devenues aussi inefficaces, impuissantes et non pertinentes que certains critiques nous l'expliquent à longueur de critiques désabusées? Faut-il s'inquiéter de l'effacement d'un multilatéralisme fondé précisément pour empêcher ces catastrophes qui frappent l'humanité? Faut-il se résigner à une mondialisation débridée et violente, à un recours à la loi de la jungle? Doit-on renoncer aux rêves de paix et de sécurité, de solidarité et de coopération pour un développement durable, de respect universel des droits humains et d'éradication de toutes les discriminations, telles que l'avaient espéré les pères fondateurs du système des Nations Unies? Le monde multipolaire qui se dessine aujourd'hui et que nous avons appelé de nos voeux, devra-t-il se passer du multilatéralisme? Je ne le crois pas, sinon je ne serai pas là. Le multilatéralisme a-t-il failli? Excusez-moi, je ne sais pas trop comment on présente une conférence, c'est la première fois que je fais une à la Sorbonne, donc pardonnez-moi si ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le multilatéralisme a joué un rôle central dans les relations internationales de l'après-guerre. Il faut reconnaître ses progrès, ceux qui ont été accomplis. La création de la SDN en 1920, et on aurait pu remonter au Congrès de Vienne, qui, à défaut d'éviter les guerres, avait évité une des déflagrations mondiales, la création de la SDN en 1920 a suscité bien des espoirs, réduits à néant, vous le savez, par le refus du Congrès américain, malgré le président Wilson, puis par la crise de 1929, et bien sûr
l'apparition des régimes, notamment totalitaires, notamment du régime nazi en Allemagne et du régime mussolinien en Italie. La création de l'ONU en 1945 a tenté de tirer les leçons de l'échec de la SDN sur le plan politique. C'est une organisation inclusive, universelle, dont l'État-nation demeure la pierre angulaire. D'où les principes définis à l'article 2 de la Charte, égalité souveraine des États, non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique, non-intervention dans les affaires intérieures, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela étant, bien entendu, dès l'origine, s'agissant d'une organisation créée par les vainqueurs, le principe « un État, une voix » a été tempéré par la reconnaissance du statut particulier des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il s'agissait à l'époque d'éviter leur retrait, comme au temps de la SDN. Deuxième caractéristique importante, l'ONU a intégré, et ça c'était une nouveauté dans une seule organisation, une dimension économique, financière et sociale, en tirant les leçons de la crise financière de 1929. La déclaration de Philadelphie en mai 1944 définit les objectifs de l'Organisation internationale du travail, qui existait déjà depuis 1919. Les accords de Bretton Woods en 1944 créent des institutions spécialisées destiné à organiser la coopération monétaire et à financer la reconstruction. La cohérence et la coordination de l'ensemble devaient cependant incomber à l'époque, à ceux qui rêvaient en tout cas, au Conseil économique et social des Nations Unies. Là encore, l'égalité de principe entre États a laissé la place au réalisme, création des droits de tirage spéciaux proportionnels au Fonds monétaire international, ainsi que pour le commerce avec l'adoption du GATT, ouvert aux seuls pays à économie de marché. Dès l'origine également, l'ONU intègre les droits humains, le traumatisme de la Shoah, les tragédies connues par les pays occupés, notamment par les nazis ou le Japon, imposent la prise en compte des droits humains, les droits de l'homme à l'époque. Troisième pilier du nouvel ordre international créé après la guerre. Mais il n'y a pas d'accord dans les conférences sur la création des Nations Unies pour intégrer ces droits humains dans le préambule de la Charte, vous le savez, ce qui conduit d'une part à la création de la Commission des droits de l'homme en 1946 à Genève, comme un organe subsidiaire de l'ECOSOC, les droits humains dépendant du niveau économique et social, ce que certains Chinois ou Russes ne manquent pas de nous rappeler aujourd'hui, et deuxièmement l'adoption donc de la Déclaration universelle de 1948. Mais évidemment, les objectifs des 5 permanents divergent, de nouveaux acteurs apparaissent et les objectifs prioritaires des Nations Unies changent. Le grand dessein initial des Nations Unies est miné peu à peu par un certain nombre de facteurs, notamment la logique des blocs, assez vite, les tensions idéologiques ou culturelles, les conditions difficiles de la décolonisation dans beaucoup de pays du Sud, qui a conduit la décolonisation à l'émergence du groupe dit des 77, puis ensuite des BRICS, la dénonciation d'un deux poids deux mesures de l'Occident par certains et la dénonciation par d'autres, ou les mêmes, des valeurs humanistes, la persistance de conflits régionaux intenses, puis la montée du terrorisme, la difficulté du système à intégrer une participation effective des sociétés civiles à son processus de décision, ce qui a obéré gravement sa capacité à traiter notamment des questions de société, des questions de religion, des questions de genre, pourtant devenus cruciaux. Je reconnais que c'est un résumé qui s'étend sur 50 ans, donc on en met beaucoup à la suite, mais on reviendra sur une partie de ces sujets. Le centre de gravité voulu par les vainqueurs, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est grippé, et les revendications des pays du Sud fondées sur leur intérêt propre assumé, avec une priorité absolue au développement, ont poussé d'une part un recentrage de l'ensemble du système sur les questions économiques et sociales, là où il avait plus de marge de manœuvre, et d'autre part, ou de ce fait, à une revalorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses organes subsidiaires. Plus de légitimité et de transparence s'y trouve peut-être, mais pas nécessairement plus d'efficacité, puisque vous le savez, l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir normatif, autre que pour adopter des conventions préparer et négocier ailleurs. Les contraintes politiques et financières imposées notamment par les plus grands pays
au secrétaire général des Nations Unies et au secrétariat des Nations Unies ont freiné par ailleurs les initiatives tendant à réformer la structure et le fonctionnement de l'institution. L'efficacité des interventions des Nations Unies s'en est trouvée gravement affectée, notamment s'agissant bien sûr du maintien de la paix, de la prévention des conflits, du financement du développement ou de la définition de règles économiques et financières permettant de réguler une mondialisation qui s'accélérait. Je pourrais rajouter sur ce paragraphe à titre strictement personnel que parfois le choix des personnes n'a pas aidé, s'agissant du secrétaire général des Nations Unies. Les grandes institutions spécialisées ont pourtant continué à jouer un rôle essentiel et irremplaçable dans le secteur d'activité, et cela, on ne le soulignera jamais assez. J'ai été témoin à de nombreuses reprises par mes voyages, à la fois comme directeur de cabinet de Bernard Kouchner quand il était ministre de l'Action humanitaire, ou comme représentant des Nations Unies au Pakistan à l'époque d'une grave crise humanitaire, ou simplement comme représentant d'ONG, du travail admirable effectué par des milliers de volontaires ou d'agents des Nations Unies et des agences des Nations Unies sur le terrain, qui sont tous les jours, à l'heure même où on se parle, au plus proche des populations en détresse et des victimes des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. C'est souvent dans le plus grand anonymat, dans le silence en général des médias et dans une indifférence générale. Bien sûr, on connaît Médecins sans frontières, Médecins du monde, Save the Children, CARE, Oxfam. Mais moi, je vous parle aussi tout bêtement des agents des Nations Unies, du HCR, de l'UNICEF, de l'OMS, etc., etc. Il faut les voir sur tous les terrains les plus glauques de la planète. Et s'ils y sont, c'est en général parce que les États, nous, n'y sommes pas. Et nous nous tournons vers les Nations Unies et nous leur disons « Allez-y ». Et ils y sont allés. Et ils y sont encore. Et ils font un travail admirable. Pardon de ce côté peut-être un peu émotif, mais je crois que c'est important de rappeler que les Nations Unies, c'est aussi ça. C'est pas simplement un sujet de thèse ou une organisation où on parle sans arrêt des questions de structure. C'est sur le terrain que ça se passe. J'y reviendrai sur les réformes à accomplir. Certains fonds et programmes et certaines institutions spécialisées, comme l'OMC, l'UNESCO, l'OMS ou l'UNRWA, sont toutefois gravement affectés, en tout cas périodiquement affectés, par l'hostilité manifestée, par exemple, par les États-Unis, qui entrent, qui en ressortent, puis qui y retournent, qui coupent les financements, puis donnent des sommes gigantesques, puis les recoupent à nouveau, au gré des politiques de leur président, ou encore par l'entrisme de la Chine, qui passe de plus en plus de places, de plus en plus de hauts fonctionnaires dans les rouages de l'organisation, qui travaillent, je peux vous l'assurer, au moins autant pour leur mère patrie que pour les Nations Unies, et qui surtout inondent de financement les Nations Unies. Alors c'est bienvenu, certes, pour des agences des Nations Unies qui ont moins d'argent, mais qui de fait créent une dépendance politique extrêmement importante. Pardon d'être un peu brutal, mais ça alimentera le débat comme ça. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Les expériences que nous avons vécues, notamment au programme des Nations Unies pour l'environnement, ou plus récemment, tout le monde s'en souvient, à l'OMS, au début de la pandémie du Covid, nous rappellent à la réalité. Globalement, jusqu'à présent, les différentes composantes du système multilatéral ont pourtant fait preuve de résilience, grâce au soutien pragmatique de coalitions ad hoc, d'États, ce qu'on appelle en général aux Nations Unies les like-minded, et à la mobilisation de la société civile, d'experts, de scientifiques, de responsables politiques, souvent au niveau régional ou local, ou de personnalités charismatiques, comme ça a été le cas le plus souvent, soit dans le domaine du climat et de l'environnement, soit dans le domaine des droits humains. Mais, reconnaissons-le, c'est de plus en plus souvent dans des cénacles restreints, ou au contraire dans d'énormes conférences internationales universelles, que se déroulent aujourd'hui les plus grandes négociations sur les enjeux globaux. Les Nations Unies, le plus souvent, patronnent ces réunions. Elles restent donc, dans notre esprit à tous, une référence de légitimité, mais elles ne sont plus nécessairement un cadre pour l'action.
Je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, tu m'arrêteras quand je serai déjà trop long, sur les trois piliers, je dirais, des Nations Unies, la gestion des crises, les questions économiques et les droits humains. La gestion des crises, aussi provocateur ou paradoxal que ça puisse paraître, le système multilatéral a depuis 70 ans plutôt bien rempli son objectif de préservation de la paix et de la sécurité internationale. Pourquoi ? Parce que, comme le souhaitaient les pères fondateurs, aucune guerre d'ampleur mondiale n'a éclaté tout au long de cette période, malgré le déclenchement, bien sûr, rapide de conflits au Proche-Orient, en Corée ou encore au Congo, la guerre au Vietnam, la permanence des tensions liées à la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, les tentatives permanentes par l'un des grands de déstabiliser des régimes appartenant ou inféodés à l'autre camp. En réalité, aux Nations Unies, le dialogue n'a jamais cessé sur aucun sujet. Pendant la guerre d'Ukraine, je crois que nos diplomates en poste à New York nous l'ont confirmé, les discussions continuaient imperturbablement dans les couloirs des Nations Unies. Enfin, imperturbablement, peut-être pas, j'y étais pas, mais peut-être c'était un peu plus tendu que d'habitude. Mais enfin, les ambassadeurs se parlent, y compris le russe et l'américain, le français et le chinois, ou la commission et l'iranien. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une autre idée. Mais quand vous entendez trop souvent des gens qui disent « il faut se parler », n'oubliez jamais qu'aux Nations Unies, on se parle du matin au soir, et notamment au sein du Conseil de sécurité. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour les Nations Unies ou avec les Nations Unies au début de ma carrière, au tout début des années 80, le Conseil de sécurité se réunissait 2-3 fois par semaine avec un ordre du jour prévu à l'avance. Quand je suis arrivé comme représentant permanent en 2007, on se réunissait tous les matins à 9h, toutes les après-midi à 14h. La seule chose qui changeait, c'était l'ordre du jour. Mais on passait quasiment toutes nos journées à 15, enfermés les uns avec les autres, ce qui n'est pas d'ailleurs sans intérêt, parce que c'est aussi ce qui permet, tous les gens qui ont pratiqué un peu la négociation le savent, de créer parfois des ambiances qui permettent de surmonter les crises les plus graves. Mais donc, jamais les échanges ne cessent et n'ont cessé aux Nations Unies. Des avancées majeures ont eu lieu tant au sein de la conférence du désarmement, mais là, parler devant Nicole notamment me gêne beaucoup parce qu'il y a des tas de spécialistes de toutes ces questions que vous avez évoquées dans d'autres conférences, mais enfin, je ne vais pas rappeler le rôle qu'a pu jouer quand même les Nations Unies en matière de désarmement, même si j'imagine qu'on a dû expliquer que les négociations directes entre les super grands et les grands étaient plus importantes que ce qui se passait aux Nations Unies. Mais est-ce qu'il y aurait eu, sans les Nations Unies, toutes ces discussions sur la Corée du Nord qui ont permis quand même d'isoler un petit peu le régime? Est-ce qu'il y aurait eu le JCPOA? Moi, je ne suis pas sûr quand même, que sans la légitimité donnée par la participation des Nations Unies, etc., etc. Il y a quand même, grâce aux Nations Unies, me semble-t-il, un semblant de consensus international sur les questions de désarmement, même si au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait le sujet le plus d'actualité. Bien sûr, il y a eu de nombreuses guerres de proxy et des guerres civiles, on en a parlé, elles ont fait des ravages, notamment parmi les populations civiles, mais l'ONU a contribué à ce qu'elles ne dégénèrent pas en conflits impliquant les grandes puissances. Et surtout, les Nations Unies, on l'oublie aussi trop souvent, contribuent énormément aux sorties de crise et à la reconstruction, notamment évidemment grâce aux opérations de maintien de la paix, quels que soient leurs défauts, j'y reviendrai, et par exemple à travers la création dans les années 2000 de ce qu'on a appelé les commissions de consolidation de la paix à la fois au niveau international et au niveau local pour reconstruire, recoudre ce qui peut l'être après la fin de conflits, notamment de guerres civiles. Pourtant, il faut être honnête et reconnaître que si ces conflits n'ont pas dégénéré, sauf sporadiquement, les conflits les plus anciens qui existent depuis le second conflit mondial, n'ont quasiment pas trouvé de solution. Le processus de paix au Proche-Orient, avec des avancées spectaculaires, est aujourd'hui au point mort. La partition de la Corée, le conflit du Cachemire, etc., etc. Sur tous ces sujets, on n'a pas beaucoup progressé, soyons honnêtes, 70 ans plus tard. Les révolutions de couleur, ou appelés ainsi, ont aggravé les tensions ces dernières années, redonnant de la force aux démocraties,
dont je continue de penser que le nombre s'accroît, contrairement aux allégations répétées par les régimes autoritaires qui aimeraient bien, selon la formule de Staline, que nous répétions ce mensonge afin qu'il devienne réalité. Moi, quand j'étais assis, donc non pas là, mais dans une autre école, toute l'Amérique latine était en dictature, quasiment toute l'Afrique et les trois quarts de l'Asie. Ça n'est quand même plus le cas aujourd'hui. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que la démocratie recule partout, mais je n'y crois pas une seconde. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Vous savez que le principe fondateur d'un régime autoritaire et hégémonique, c'est de faire reconnaître sa puissance et son droit à l'hégémonisme. Donc vous me trouverez toujours de ce point de vue-là, de l'autre côté. Donc, ces révolutions de couleur, si elles ont renforcé les régimes démocratiques, ont exacerbé dans le même temps, bien sûr, les craintes des régimes autoritaires quant à leur survie, Chine, Russie, Venezuela, Cuba, Iran. Je peux ici centrer les secrets. Je me rappelle la façon dont les yeux injectés de sang, un vice-ministre russe m'a interpellé après la chute du colonel Kadhafi en me disant « Est-ce que vous avez vu ces images d'un dictateur lynché par son propre peuple? Comment pouvez-vous accepter cela ?» Faut pas me citer, Madame Lasserre. Non, parce que je voudrais garder cette histoire pour moi. Voilà, ben oui, mais je le redis. Mais l'ONU, il faut aussi le reconnaître, a été de fait absente des crises ouvertes en Europe par la Russie, sauf pour jouer le rôle de comparse, dans le Caucase, en Géorgie ou en Syrie, des conflits ouverts par la Chine, en mer de Chine, mer du Sud, méridionale, mer de Chine méridionale, mer du Sud, et à Hong Kong, ou encore par les États-Unis, à Grenade ou en Amérique latine. Traduisant un désaccord fondamental entre les cinq membres permanents, on a dû vous rappeler que l'absence d'un comité d'état-major qui avait été prévu pourtant par la charte, regroupant le P5 et ayant vocation à commander directement les opérations de maintien de la paix, cette absence a joué bien sûr comme l'insuffisance des moyens qui sont accordés aux opérations de maintien de la paix, sans parler de leur mandat irréaliste qui ressemble à de véritables sapins de Noël et de leurs règles d'engagement en général totalement inappropriées. Pour toutes ces raisons, l'habitude a été prise pour maintenir la paix ou essayer de la rétablir à des organisations militaires comme l'OTAN ou à des forces multinationales, on l'a vu, sans toujours l'accord de l'ONU, la deuxième guerre d'Irak où il n'y a pas eu d'accord du tout, le Kosovo, où l'accord des Nations Unies est intervenu après avec la résolution 1244 sur la sortie de crise au Kosovo. Le respect du droit humanitaire, qui à l'origine est le droit de la guerre, je le rappelle, hein, les conventions de Genève, c'est le droit de la guerre, on codifie le droit de la guerre. C'est pour ça que j'en parle maintenant, on parlera tout à l'heure du droit d'ingérence. Le respect du droit humanitaire a connu dans le même temps des progrès puis un recul spectaculaire, malgré les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité, et la création de tribunaux pénaux internationaux, ex-Yougoslavie et Rwanda d'abord, puis toute une série d'autres, vous le savez, Sierra Leone, Cambodge, Liban, etc., puis de la création de la CPI en 2002, qui ont complété l'édifice en consacrant la responsabilité individuelle des auteurs des crimes les plus graves contre les droits humains. Le fait que la CPI ne soit pas forcément le modèle le plus efficace et le plus rapide de justice internationale ne change rien au fait qu'on a adopté ces textes qui sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une révolution pour moi comme le droit d'ingérence, c'est une véritable révolution du droit parce qu'elle consacre le fait que les victimes ont des droits et que ces droits transcendent les droits des États. Si on peut aujourd'hui juger, si demain on peut juger Vladimir Poutine pour les crimes commis en Ukraine, ça veut dire que les Ukrainiens qui ont été victimes, leur mémoire en tout cas, pour la communauté internationale, a autant de valeur, sinon plus, dans le cas d'espèce, pour la responsabilité de protéger, elle en a plus, que ceux de l'État ukrainien lui-même ou que ceux, les intérêts de l'État russe lui-même. C'est donc tout à fait fondamental comme révolution. Et s'il faut trois décennies pour y arriver, au fond, ça n'a rien de surprenant et ça ne doit pas nous décourager.
Bien sûr, la lutte contre l'impunité est un chemin qui sera encore long, notamment, bien sûr, lorsque les grandes puissances sont en cause. Je pense évidemment à la Russie en Ukraine, à la Chine au Xinjiang, ou, vous le savez, des procédures qui ont été ouvertes contre Israël et les États-Unis en Palestine. Les civils de victimes collatérales, devenus des objectifs de guerre, sont en même temps devenus des titulaires de droits. La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, décidée, vous le savez, au sommet mondial des Nations Unies en 2005, est l'héritière du droit d'ingérence, inventé par la France, promu par la France, et qui dit tout simplement que quand un État ne peut pas ou ne veut pas protéger une population face à des violations graves et répétées de ses droits, la communauté internationale a le devoir d'intervenir. C'est l'explication de ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis n'en veulent, soyons clairs. Les deux premiers, parce qu'ils refusent de considérer que les atteintes aux droits humains, même graves et répétées, puissent constituer des atteintes à la paix et à la sécurité internationale. Elles doivent donc, selon elles, rester en dehors du champ de compétence du Conseil de sécurité. C'est pas de chance, parce que la R2P, justement, confiait la responsabilité de protéger au Conseil de sécurité. Mais le procureur a les moyens de diligenter des enquêtes par lui-même. C'est ce qu'il a fait dans le cas de l'Ukraine. Enfin, on a vu les conséquences de tout ça, de ce blocage notamment russe, pendant la guerre de Syrie ou la guerre en Ukraine. À aucun moment, les Russes n'ont accepté qu'on discute de l'ouverture de corridors humanitaires. Pendant qu'ils bombardaient Alep, réduite à l'état de ruine, et quand il est resté plus que quelques centaines ou quelques milliers de survivants dans les ruines, alors ils ont ouvert des corridors humanitaires à leurs conditions. Il faut appeler un chat un chat. Vous savez, dans une guerre, il y a des gens qui envoient des bombes et il y a les gens qui les reçoivent. Ce n'est pas un problème de littérature. C'est un problème de sauver les vies, en tout cas quand on fait de l'humanitaire. C'est par rapport à ce que je suis en train de dire sur le droit humanitaire. Pardon, je m'égare un peu, mais c'est l'émotion. Il y a eu un seul, il faut le signaler quand même, il y a eu un cas tout à fait exceptionnel et que tout le monde a oublié, d'intervention préventive des Nations Unies. Là encore, c'était une initiative de la France au titre du droit d'ingérence, parce que le droit d'ingérence, c'est fait pour prévenir les crimes contre les droits humains, pas pour les régler une fois qu'ils ont été commis. C'est en 95, alors j'ai pas retrouvé le chiffre, j'ai pas eu le temps, je crois que ça s'appelait la Ford Épronu, et c'était le déploiement d'une 1000 personnes, 1000 soldats environ, en Macédoine, qu'aujourd'hui on appelle la Macédoine du Nord, qui pourtant aurait dû exploser comme tous les Balkans, parce qu'elle est déchirée historiquement depuis toujours par le même conflit entre orthodoxes et musulmans, entre Serbes, pour faire vite, et Albanais. Eh bien, elle n'a pas explosé en Macédoine. Et il y a eu le déploiement d'une force préventive des Nations Unies. C'est un cas unique à ma connaissance. Les défis globaux que constitue le changement climatique, pensez à l'accès à l'eau, le terrorisme, les migrations internationales, le crime organisé, la cybercriminalité, la corruption, ont aggravé bien des conflits et en ont privatisé les solutions, rendues de ce fait plus incertaines. Les droits humains, sous la pression des États démocratiques, et des ONG, la communauté internationale a adopté, au-delà des textes et de la charte, de la déclaration de 48, des traités, des protocoles, des pactes extrêmement importants qui ont permis d'accroître le champ de lutte contre les discriminations d'une manière extraordinaire, notamment pendant ce qu'on a appelé les 15 glorieuses des droits de l'homme, 90-2005, les droits économiques et sociaux, les droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées, la Convention contre les disparitions forcées, les conventions contre la torture, l'élimination de toutes les formes de discrimination en raison de la race, la couleur, la religion, les idées politiques, les pratiques sexuelles, la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, etc., etc. Mais la Commission des droits de l'homme n'a pas répondu aux espérances de ses fondateurs, du fait du mode d'élection de ses membres, et donc de sa composition, du caractère non contraignant de ses résolutions, du dévoiement de la procédure par, vous savez, ce qu'on appelle des gongos, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, gouvernementales. C'est la spécialité notamment chinoise et iranienne. Le Conseil des droits de l'homme, qui a succédé en 2006 à la Commission, n'échappe pas totalement à la même critique. Il n'est plus complètement basé sur le seul blaming and shaming, mais aussi
sur la participation des États au propre jugement critique que porte la communauté sur leur politique, mais sa capacité à agir est extrêmement faible. Là, je voudrais tordre le cou pour passer déjà un petit peu aux solutions. Pour autant, moi, qui ai passé une grande partie de ma vie à me battre pour les droits humains, je ne pense pas qu'il faille refuser la participation des pays qui enfreignent de manière évidente les droits humains, parce que cela reviendrait tout simplement à leur laisser le champ libre, dans l'ombre, au lieu de le faire dans la lumière qu'éclaire, par exemple, l'examen périodique universel auquel se livre le Conseil des droits de l'homme sur l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Ce serait les renforcer dans leur conviction que, finalement, la diplomatie, ça sert à rien, le dialogue et la coopération, ça sert à rien, et que seule la force est efficace. Affronter ces pays, exposer publiquement leurs pratiques, leurs méthodes, leurs objectifs, les violations des droits fondamentaux de la personne humaine auxquelles ils se livrent, c'est la seule façon de lutter contre le silence qui est toujours, vous le savez, le complice du bourreau. Le développement durable, la prééminence et la puissance des pays à économie de marché a conduit d'emblée à l'absence des pays à économie dite socialiste des institutions de Bretton Woods et du GATT. La chute de l'URSS, l'ouverture de la Chine avec la politique de réforme et d'ouverture ont permis leur insertion dans les échanges commerciaux et financiers internationaux, non sans difficulté d'ailleurs. Pensez au non-respect absolu des règles de l'OMC par la Chine depuis 2000. Cette intégration est ralentie de fait aujourd'hui. La Chine fait l'objet de très très nombreux contentieux à l'OMC pour violation des règles ou non-application tout simplement des règles de l'OMC. La Russie a été exclue du G7 et les négociations d'entrée à l'OCDE et à l'Agence internationale de l'énergie de la Russie ont été suspendues également, notamment. L'inclusion des nouveaux pays décolonisés aux Nations Unies a modifié le visage des instances internationales traitant des sujets économiques. Les pays en développement se sont regroupés au sein du groupe des 77 pour défendre leurs intérêts et jouer un rôle plus actif dans la définition des politiques économiques. Dès les années 60, les 77 ont cherché à ériger la CNUSED en instance privilégiée de concertation, voire de décision, notamment face à l'OCDE, le club des riches, puis face au G5 et au G7, le club des pays développés. L'ONU s'est depuis longtemps, de ce fait, concentrée sur la recherche de ce qu'on appelait à l'époque, souvenez-vous, le nouvel ordre économique international, en se lançant à la recherche de normes et d'accords de régulation et de structuration du commerce. Souvenez-vous, le fonds commun pour les produits de base, les accords par produit, la négociation d'un code sur les transferts de technologie ou sur les sociétés transnationales. C'est des sujets formidablement à la mode. Ça fait 42 ans que ça dure aux Nations Unies et il paraît, m'a-t-on dit, que ça continue. Donc, on ne renonce pas, vous voyez, aux Nations Unies. Certains ont abouti, certains de ces textes sur le fonds commun ou les accords par produit, peu en fait ont eu une portée significative. Je crois que dans le domaine du café, là il faut faire attention, mais café, cacao, jute, il y a eu quand même des progrès réalisés grâce à ces accords internationaux, mais surtout du fait des blocages des États les plus libéraux de l'époque, les États-Unis et le Royaume-Uni bien sûr. Les ultralibéraux ont imposé peu à peu une dérégulation et une libéralisation des mouvements de biens, de services et de capitaux qui échappaient à toute tentative des Nations Unies pour les réguler. À côté des grandes institutions spécialisées, trois institutions ont continué à trouver grâce aux yeux des dirigeants occidentaux, trois institutions du système, mais à la marge, la Banque mondiale, le FMI, le GATT, devenu OMC, encore largement dans les mains de l'OCDE, et vous le savez, la banque et le fonds étant dirigés par des Européens et des Américains. Mais le néolibéralisme a touché ses limites avec les crises monétaires et financières à répétition, l'explosion de l'endettement tant public que privé, l'accroissement des déséquilibres des balances commerciales, la désindustrialisation accélérée dans les pays développés. Le centre de définition des grandes orientations de politique économique s'est déplacé peu à peu vers des cénacles exclusif, le G5, déjà mentionné, le G7, le G8, puis le G20, l'OCDE, le Forum de Davos, etc., etc., les rendez-vous, entre guillemets, des pays qui comptent.
Le Conseil économique et social de l'ONU n'a jamais exercé son rôle de coordination, malgré la nomination depuis 1982 d'un directeur général des Nations Unies, puis d'une vice-secrétaire, je dis une parce que ça a toujours été une femme, vice-secrétaire générale chargée de cela. Moi, je me souviens des tentatives faites par l'Assemblée générale des Nations Unies d'intervenir dans le règlement de la crise financière en 2008. Ça a été évidemment un échec total. Et les grandes décisions prises dans les années plus récentes, la taxation minimum des bénéfices, la lutte contre la corruption ou la RGPD, en réalité, sont des décisions prises dans ces cadres restreints G20, G7, OCDE, voire Union européenne. Tout cela a conduit les populations à dénoncer l'impuissance ou l'incompétence des élites au pouvoir dans leur propre pays et comme aux Nations Unies, et nourrit la montée d'un populisme dévastateur qui dénonce en vrac la mondialisation de l'économie et de la finance et le multilatéralisme, perçus tous deux comme des atteintes aux souverainetés nationales. Le multilatéralisme est donc affaibli. Pourquoi est-il contesté ouvertement aujourd'hui? En dépit de ces résultats indiscutables, je le maintiens, le modèle commercial et financier du libéralisme global résulte de l'imposition d'un modèle ultralibéral de dérégulation. Cette libéralisation est intervenue sans que soient mis en place des mécanismes de régulation ou de soutien suffisants. Et les graves crises financières ont affecté, souvenez-vous, dans les années 90, la Russie, puis l'Asie du Sud-Est, puis l'Amérique latine, avec des conséquences très graves, puis en 2008 à l'échelle planétaire et enfin de nouveau depuis le début de la pandémie du Covid-19 qui a créé une crise financière considérable, même si on en parle moins, parce qu'elle touche essentiellement les pays du Sud. Beaucoup de pays viennent à peine de retrouver un niveau d'activité comparable à ce qu'il était avant la pandémie, tandis que de graves déséquilibres persistent au sein de l'économie mondiale. Les principaux cadres de concertation multilatéraux utilisés pour gérer les crises sont aujourd'hui de fait des réunions informelles à la composition ad hoc, dépourvues le plus souvent de secrétariats permanents, organisées autour du G7 ou du G20. Et donc, on a un dispositif qui n'assure qu'une gouvernance fragmentée et imparfaite. Le succès même du système multilatéral a eu pour effet deuxième phénomène qui paradoxalement explique le déclin ou la critique du multilatéralisme, c'est que le succès même du multilatéralisme, notamment dans la composition des Nations Unies, a accru l'hétérogénéité des acteurs et de leurs intérêts. Et donc, les difficultés pour le faire fonctionner, selon des règles qui avaient été fixées par les États-Unis et leurs alliés et acceptées par les Russes avant l'arrivée de la vague de la décolonisation. 50 membres à la création des Nations Unies. On en est à 193. Ça ne peut pas fonctionner de la même façon, c'est clair. Regardez ce qui se passe au sein de l'Union européenne à une échelle plus petite. Les nouveaux États ont donc perçu ce système comme une forme de domination et ont cherché aussi, eux aussi, des formes d'organisation alternatives sans pour autant y parvenir, ce qui a créé de nombreuses frustrations dans les années 70 et 80, au pic du combat du groupe des 77 contre l'OCDE. Les tentatives, quatrième élément, les tentatives de réforme du système pour faire place aux nouveaux acteurs ou limiter les effets de position dominante continuent à se heurter systématiquement et clairement aux résistances systématiques américaines, russes et chinoises. La recherche systématique du consensus, qui est présenté comme la panacée universelle, conduit à une impasse. Je rappelle pour ceux qui ont fait des mathématiques que le consensus, c'est le plus grand dénominateur commun, qui, comme son nom ne l'indique pas, consiste dans le plus petit accord possible. Donc quand on vous dit qu'il faut que les Nations Unies décident par consensus, ça veut dire 193 droits de veto. Mais c'est ça la réalité. Un consensus ne peut pas se constater. Comment on va constater un consensus avec les Iraniens en ce moment? Avec ce qui se passe pour les femmes en Iran? En Afghanistan? Avec les Chinois au Xinjiang? Il n'y a pas de consensus possible. En revanche, tout le monde a oublié. Les Nations Unies, l'Union européenne, c'est sur la base du compromis qu'elles ont été fondées. C'est le compromis qui permet de dégager le consensus. On ne constate pas un consensus. On se bat pour l'atteindre. Et ça, c'est encore une contre-vérité, celle du consensus universel,
propagée par les régimes autoritaires, qu'il faut une contre-vérité, qu'il faut, de mon point de vue, dénoncer. Le recours au droit, évidemment, est demeuré inégal à travers le monde, et donc on ne parle pas toujours le même langage. Le système multilatéral est confronté, comme toutes les institutions, au double jugement de sa légitimité et de son efficacité. Le premier critère n'a pas été contesté ouvertement en ce qui concerne l'ONU, sauf en ce qui concerne le Conseil de sécurité, alors que l'efficacité, oui, c'est clair, n'a pas toujours été au rendez-vous, mais aussi bien en raison, encore une fois, de l'organisation, de sa composition, de son mandat, mais aussi de l'existence ou de l'absence de volonté politique des principales puissances, des pesanteurs bureaucratiques des institutions. Quand on se pose la question, quand vous vous dites, quand je me suis dit au début de la guerre en Ukraine, mais où est l'ONU? La question veut dire quoi? Mais où sommes-nous? L'ONU, c'est nous. C'est 193 États membres. Il n'y a pas une décision des Nations Unies qui ne soit pas celle des États membres. Et ça, on l'a malheureusement légèrement oublié. Certaines voix s'élèvent cependant aujourd'hui ouvertement pour contester la légitimité même des organisations internationales, arguant que l'on doit en revenir à la seule légitimité démocratique qui est celle de l'État-nation et de ses institutions. Ce qui est évidemment paradoxal quand on sait que justement une des raisons, de mon point de vue, de l'inefficacité relative des Nations Unies, c'est le fait qu'elle est fondée sur le respect de la souveraineté absolue et l'égalité des États. Difficulté aussi, dernier élément, non j'essaie de raccourcir parce que je vois que la tension faiblit déjà. Dernier élément fondamental, la grande nouveauté, c'est évidemment l'irruption de la société civile à tous les niveaux de la négociation internationale et l'apparition de ce que les diplomates qui se disent réalistes, en tout cas qui s'auto-appellent réalistes, ils le refusent. L'idée qu'il y ait une société internationale, une communauté internationale, une conscience universelle internationale, tout ça est balayé d'un revers de main. Moi, je pense qu'elle existe. Il suffit de voir aujourd'hui les débats planétaires qui ont lieu. Pensez notamment à ce phénomène que moi, je trouve extraordinaire, en tout cas du point de vue d'un professionnel du multilatéral, qui est l'apparition de Greta. J'ai oublié son nom, Thunberg, c'est ça? Pourquoi c'est plus... Tu l'appelais donc Greta? Je l'appelais Greta parce que je ne voulais pas me tromper sur son nom. Ça n'est pas l'adjonction, ou ce ne sont plus seulement des ONG nationales. Avec Greta, on a vu tout d'un coup apparaître directement aux Nations Unies un mouvement qui voulait parler au nom de toute la jeunesse du monde. Et là, on ne sait pas quoi faire, il faut être clair. Parce que rien n'est prévu dans les chartes, ça c'est clair. Comment on fait pour prendre en compte la société civile internationale, whatever that means, d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a une revendication là, si on ne la prend pas en compte, va dénaturer les Nations Unies. Dans le même temps, les instruments internationaux de règlement des différends ont été affaiblis. Vous le savez, par exemple, pensez au blocage à l'OMC du mécanisme de règlement des différends, les Américains refusant de nommer un juge, ou du rejet par la Chine de la décision de la Cour d'arbitrage de La Haye sur la mer de Chine méridionale, etc. Je vais sauter ça. Un autre problème en termes de règlement, non pas des différends, mais des crises, est lié, on peut le constater, dans les suites de la pandémie du Covid. Je ne veux même pas parler des errements de l'OMS au début de la crise, vous le savez, dû en partie notamment au refus de coopérer de la Chine. Vous savez que l'OMS s'est saisi du problème en février. Covid, il n'est pas né en février, il est né en novembre. Pendant 3 mois, la Chine a caché l'existence du Covid, quitte à enfermer les lanceurs d'alerte. Il y en a d'ailleurs un ou deux qui ont disparu. Ça, c'est une des caractéristiques chinoises. Ensuite, en refusant de transmettre ce qu'elle savait à l'OMS, c'est un laboratoire privé chinois, d'ailleurs, qui était à Shanghai, en tout cas, qui a transmis le premier génome du Covid à l'OMS. Ce n'était pas le gouvernement chinois. Et ensuite, vous le savez, en tenant fermement les deux bras du docteur Tedros,
qui dirige l'OMS au nom de la Chine. Donc on a vu clairement là une agence des Nations Unies qui ne pouvait plus fonctionner parce qu'un des États membres clés dans l'affaire de la Chine, sans porter aucun jugement, personne, moi j'ai jamais pensé que la Chine était responsable du Covid. Enfin, il se trouve que c'est elle qui a eu les premières informations. On a perdu 4 mois dans l'évolution d'une pandémie, c'est absolument considérable. Et je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, rien n'est prévu pour aider à sortir les pays du Sud de la crise. Alors bien sûr, il y a eu COVAX, qui est quand même une belle initiative conjointe. Si, c'est des milliards, COVAX, hein, des milliards. Initiative commune, il faut le rappeler, parce que de ce point de vue-là, pour moi, c'est intéressant. C'est les Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF. C'est quelques pays, et notamment la moitié des financements venaient des États-Unis et de l'Union européenne. Et puis, c'est des fondations. Et puis, c'est des laboratoires pharmaceutiques. Cette nouvelle forme de coopération internationale qui inclut les Nations Unies, mais qui n'est pas les Nations Unies. Mais ça a été des milliards qui ont permis quand même d'envoyer, je ne sais plus à combien on en est actuellement, des centaines de millions de doses dans les pays du Sud, gratuitement quand même. Et on est en train d'essayer de voir si quelque chose du même ordre pourrait se développer en matière alimentaire, vous le savez, avec l'initiative Farm, qui est à l'origine duquel est le président français, qui a été adopté ensuite par l'Union européenne et qui pourrait fonctionner suivant le même modèle. Un autre problème a été lié évidemment à la question de la dette, et notamment la dette chinoise. Pardon d'y revenir, mais c'est important. Belt and Road, ceinture et route, vous savez, cette initiative grandiose pour le destin de l'humanité. Des investissements chinois financés par des banques chinoises, opérés par des entreprises chinoises, avec des travailleurs chinois. Très bien, ça s'appelle des investissements directs à l'étranger. Enfin, chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est le coût. Regardez ce qui se passe au Sri Lanka. S'il existe encore, ce pays, je n'en sais rien. Rappelez-vous de l'appel à l'aide lancé par le président Macky Sall, tout le monde l'a oublié, dès le printemps 2020, en disant « je ne peux plus faire face à ma dette chinoise ». La Chine a refusé de renégocier la dette du Sénégal. Alors, le président Macky Sall s'est tourné vers les I2 pays anciennement coloniaux, et c'est l'Union européenne qui a évidemment pris en main la chose, qui s'est adressée au Club de Paris, et on a pu, en mutualisant, annuler, réjalonner ou annuler une partie de la dette du Sénégal, pas la partie chinoise, bien sûr. Il faut savoir que la Chine refuse de participer au Club de Paris. Elle ne mutualise pas sa dette. Hein. Si un pays ne peut pas rembourser, elle dit « ce n'est pas un problème, c'est les deux lames gilettes, je prends en gestion directe l'investissement que j'ai financé ». Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. C'est un énorme problème aujourd'hui, la dette chinoise. Personne n'en parle parce qu'on n'a pas les chiffres officiels. Mais ce sont certainement des milliards qui ont été dépensés, parfois pour des dépenses d'infrastructures utiles, parfois aussi, soyons clairs, pour des éléphants blancs. Les Nations Unies sont attaquées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas su peut-être reconnaître ses faiblesses intrinsèques, une bureaucratie coûteuse et efficace, les blocages du Conseil de sécurité, il faut le reconnaître, dans un certain nombre de conflits, la faiblesse du bilan mondial en matière de développement durable, l'influence excessive de quelques États, etc., etc. Certaines de ces critiques sont fondées, évidemment, elles sont connues. D'autres paraissent parfois contradictoires. D'autres encore reposent sur une volonté très claire d'affaiblir l'organisation. Et les trois plus grandes puissances se sont distinguées à cet égard. Les États-Unis, je l'ai déjà mentionné, ont pris l'habitude de quitter certaines agences, hein, pensez à l'UNICEF, à l'UNRWA ou à l'OMS, pour y revenir plus tard, pour en repartir, et de réduire systématiquement, en tout cas, leur contribution financière, voire de mettre en cause leur légitimité, tout, on l'a vu notamment sous la présidence de Donald Trump. La Russie de Vladimir Poutine, elle ne cherche pas à affaiblir les Nations Unies, elle ne cherche d'ailleurs pas à pratiquer l'entrisme, elle se contente du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Pour elle, c'est la seule chose qui compte. Ses performances en matière d'aide au développement sont dans l'épaisseur du trait, donc le reste n'est pas un problème pour elle. Mais là, avec la guerre en Ukraine, on peut dire clairement que Vladimir Poutine s'est cabré. Il ne se cache même plus de violer le droit international et toutes les conventions internationales qu'il a signées. La Russie occupe, je l'ai rappelé, des territoires en Moldavie, en Géorgie et bien sûr en Ukraine. Et la guerre d'annexion et de destruction de ce dernier pays va durer probablement des mois et des mois. C'est
très clairement une mise en cause fondamentale des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies a existé au moins pendant 2 jours au début de la crise en disant clairement que c'était une violation de la charte et une violation absolue du droit international. Enfin, la Chine de Xi Jinping, depuis notamment le 19e congrès en 2017, a ouvertement proclamé, et ça c'est très important, sa volonté d'une double rupture avec l'ordre international. Un, d'une part avec les droits de l'homme, les droits humains, garantis par la Déclaration universelle, mais aussi toutes les conventions sur les droits humains. Pourquoi ? Parce que ces droits humains ne sont pas opposables à la Chine, donc vous voyez qu'on n'en est même plus à dire que ce sont des droits occidentaux. On dit que ces droits humains ne sont pas applicables en Chine, parce que seul est applicable en Chine ce qui est conforme, je cite, « aux droits, aux caractéristiques chinoises ». Whatever that means, again. D'autre part, deuxième rupture, rupture avec le système international que la Chine souhaite clairement remplacer par un multilatéralisme ordonné autour de la Chine. C'est la réalité de l'initiative Belt and Road. Au-delà de la promotion de ces investissements dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine a créé un réseau de plusieurs centaines d'institutions. Il y en avait 180 quand j'ai quitté la Chine en septembre 2019, je ne sais pas combien il y en a maintenant, qui ont toutes une caractéristique commune. Le siège de ces institutions est en Chine, le patron est chinois, le financement est chinois, les statuts sont chinois, le règlement des différends se fait selon le droit chinois. Et évidemment, toutes ces institutions collent au mandat des agences des Nations Unies. Il y a donc une sorte de système bis dirigé par la Chine. Si je voulais raccourcir d'une image, je dirais que pour les Chinois, le monde est une route, est une bicyclette dont ils sont au centre de la première roue, bien entendu. Alors, il faut réagir à tout ça, et il faut réagir à tout ça de manière urgente. Il faut évidemment répondre aux critiques sur les Nations Unies elles-mêmes. On connaît les pistes de réforme. Élargissement du Conseil de sécurité, même si c'est un cauchemar. Hein. Quand on a commencé la négociation, il y a maintenant plusieurs années, enfin, ça doit faire 15 ans maintenant, à l'époque, en tout cas j'étais à New York, on était arrivé à la conclusion que pour mettre tout le monde d'accord, il faudrait avoir un Conseil de sécurité autour de 32 membres. Hein. En gros, c'est le G20 plus une dizaine de pays. Là, tout le monde est content. Parce qu'à 30, vous avez 90% de la population, de la géographie, de l'économie, des finances et de l'armée, et des armées. Alors, simplement, ça devient l'Assemblée générale bis. Bon, enfin, c'est l'objectif un jour d'y arriver. La limitation du droit de veto, vous savez qu'il y a eu des propositions, notamment françaises, pour que, à défaut de l'interdire, puisque les Chinois et les Russes et les Américains n'en veulent pas, les États disposant d'un droit de veto s'engagent à ne pas l'utiliser, notamment dans les cas de crise humanitaire grave. Eh bien, même cela, les trois super grands n'en veulent pas. Renforcer les capacités militaires de l'ONU, accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix, réformer les barèmes de contribution pour que l'ONU réduise sa dépendance aux contributions et renforcer les contributions, bien sûr, pour que l'ONU réduise sa dépendance aux contributions volontaires des grandes puissances qui créent de fait une énorme dépendance. Mais l'enjeu principal est pour moi ailleurs. Les États démocratiques doivent mener ce que j'appelle la bataille des mots et des concepts face aux propos trompeurs, dangereux, tels que la communauté de destin partagé pour l'humanité. Là encore, je suis désolé, c'est chinois, mais c'est comme ça. Alors ça a l'air sympathique, c'est comme le consensus, communauté de destin partagé. Mais un destin partagé, ça veut dire quoi ? Retour au consensus. Ça veut dire qu'on se met d'accord tous sur ce qu'est notre destin. Pas tout à fait comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Les démocraties, elles décident parce que c'est les peuples qui décident de ce qu'ils veulent pour leur destin. Et puis après, on voit avec les autres ceux qui sont prêts à partager avec nous. Et puis on avance comme ça. Et ceux qui ne veulent pas restent en dehors du jeu. Mais si mon destin doit être décidé au prochain congrès du Parti communiste chinois, je vous le dis tout de suite, ce sera sans moi. Les démocraties doivent rester, évidemment, et ça, évidemment, quelque chose de fondamental, un devoir d'exemplarité par rapport aux valeurs de la Charte, de la Déclaration universelle des droits humains. Et quand on voit ce qui se passe, notamment sur le sort des migrants dans notre belle Union européenne, on ne peut pas dire qu'on en soit toujours capable. Les démocraties ne doivent pas non plus chercher la confrontation. Ça, c'est le ressort principal
des régimes autoritaires, parce que ça justifierait justement cette théorie du complot, cette théorie de l'agression permanente. C'est formidable, j'ai vu à la télévision l'autre jour que Lavrov a dit que la Russie avait été agressée par l'Ukraine, sans rire. Enfin, il paraît que toute la salle a rigolé, oui, quand même. Moi, je l'avais entendu dire beaucoup de choses, je vous assure, en 4 ans hein, à Moscou, mais ça, jamais quand même, fallait oser. Mais voilà, donc ça, il ne faut pas, évidemment, agir dans la confrontation, il faut être en permanence, et c'est difficile, parce qu'entre elles, les démocraties ont aussi des divergences d'intérêts éventuelles, mais elles convergent sur l'essentiel, c'est la définition d'un agenda positif, centré notamment sur cette vieille notion formidable inventée, je crois, par les Canadiens, qu'ils appelaient la sécurité humaine. C'est formidable, tous les concepts sont là, dans la notion de sécurité humaine. Vous pouvez réconcilier toutes les préoccupations, tous les sujets probablement dont vous parlez dans toutes les leçons magistrales que vous avez ici. Je plaide aussi pour des approches régionales, parce qu'il faut lutter contre, vous savez, ce qu'on appelle le relativisme culturel. Les droits humains, ce ne serait pas pour tout le monde parce que ce n'est pas dans leur culture ou leur histoire. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies pour le Pakistan. Au Pakistan. Pour les Nations Unies, au Pakistan. J'ai jamais vu de petite fille pakistanaise qui était volontaire pour se prendre de l'acide dans la figure en allant à l'école. Et pourtant, ça leur arrive. J'ai jamais vu de journaliste qui était volontaire pour se faire dépecer dans les caves d'un consulat général. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais vu personne qui était volontaire pour disparaître un matin et si je puis dire, réapparaître, non, être envoyé dans ce qu'on appelle délicieusement en droit constitutionnel chinois un lieu de détention tenu secret. Les mots ont un sens, hein. C'est légal en Chine. Vous disparaissez. Pouit. Moi, je n'ai jamais rencontré personne qui était d'accord pour ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient que ce n'était pas important pour les autres. Ils ne parlaient jamais pour eux, en général. Toujours pour les autres. Moi, je ne sais pas au nom de quoi les démocraties pourraient accepter qu'on décide qu'un Ouïghour, un Hongkongais, un Russe, un Ukrainien, une Iranienne, une Afghane ou un migrant en Méditerranée a moins de droits humains que nous. Moi, en tout cas, je ne le crois pas une seconde. Et donc, il faut utiliser les approches régionales qui permettent de prendre en compte les spécificités, les identités, sans tomber dans ce relativisme qui mine les Nations Unies. Bien sûr qu'il faut tenir compte de l'histoire, bien sûr qu'il faut tenir compte des cultures. Et au premier rang, quand on est français, se rappeler que tous les pays ont une histoire et tous les pays ont une culture, même les plus petits. Hein, vous savez, on dit, ah ben tiens, maintenant, il y a une nouvelle Europe. Non, elle a toujours été là, hein. Simplement, on ne la regardait pas. Les Estoniens, ils ont toujours eu une histoire, hein. Les Lettons aussi, et les Lituaniens aussi. Elle est drôlement compliquée pour ceux qui se sont intéressés à la période de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Donc, ouvrons les yeux, prenons en compte les spécificités, les histoires régionales, et ça nous aidera à aller à l'encontre de ceux qui ont encore des états d'âme par rapport à l'universalité des droits humains. Et puis, bien sûr, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une approche plus ouverte, et ça, c'est compliqué. Comment intégrer dans le processus de décision, pas seulement dans le processus de prénégociation, les acteurs non étatiques, les fondations philanthropiques, les entreprises, les ONG, les scientifiques, les associations, etc., etc. Comment traiter des nouveaux médias? C'est un enjeu considérable pour la société internationale. On ne peut pas avoir 8,5 milliards de membres des Nations Unies. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. On ne peut pas remplacer l'Assemblée générale par Twitter ou Facebook ou Instagram. Je dois retarder d'au moins 3 métros, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis enfin, évidemment, parce que c'est le plus important pour l'immense majorité de la population de la planète, revenir à la réalisation des objectifs du développement durable. Lisez-les si vous ne les avez jamais lus. Il y a tout dans les 17 objectifs du développement durable. Tout. Et tous les États des Nations Unies se sont engagés à en faire leur feuille de route. Voilà, j'arrive à la conclusion, je crois qu'il faut que je m'arrête. Je m'arrête là, juste peut-être pour dire, au fond, on est peut-être en train de voir émerger le monde que nous, les démocrates, les démocraties, nous, les Européens, on a toujours voulu. Un monde dit multipolaire. Alors, je sais que Bertrand Badie n'aime pas qu'on dise multipolaire, parce que ça veut dire qu'il y a encore des pôles. OK, enfin, bon. Un monde où il y a des pôles, certes, plus importants que d'autres, on ne peut pas nier ça,
Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Union européenne, avec la définition de l'autonomie stratégique, est en train de se donner les moyens de devenir un quatrième pôle de puissance, d'une nature différente des trois autres. Mais regardez l'apparition des nouveaux États et ce qui se passe. Je prends toujours les mêmes exemples, mais lisez le discours incroyable de l'ambassadeur du Kenya au Conseil de sécurité au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. C'est une leçon pour les États démocratiques. Et le Kenya joue un rôle, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, de plus en plus important au sein du continent africain, notamment, il faut le reconnaître, avec l'affaissement de l'Afrique du Sud aux prises avec une corruption absolument terrible et un démantèlement de son État. Pensez au G20, au communiqué de Bali. C'est quand même extraordinaire qu'ils aient réussi à faire adopter un communiqué qui condamne la guerre et le recours à l'arme nucléaire. Ils sont pas mauvais quand même, les Indonésiens. Bon, les BRICS, ça marche plutôt qu'un cas, plutôt qu'un cas, mais le Brésil, un jour, va sortir de ce problème entre Bolsonaro et Lula, enfin, je l'espère pour les Brésiliens. L'Inde, espérons-le, ne s'enfoncera pas dans la dérive nationaliste du Premier ministre Modi. Donc, il y a aujourd'hui, objectivement, 10, 15, 20 pays, on en Afrique aussi, hein. Pensez au Sénégal, que j'ai cité tout à l'heure, qui, lui aussi, souvenez-vous, a pris l'initiative du règlement avec la Turquie et les Nations Unies de l'affaire de l'exportation de céréales par l'Ukraine. C'est Macky Sall. Pourtant, on ne peut pas dire que le Sénégal soit un des pays les plus puissants du monde. En tout cas, c'est un pays pacifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a des pays qui émergent. On l'a voulu. Ce n'est pas le moment de laisser tomber le multilatéralisme. Parce que si on a un pays avec de plus en plus, un monde avec de plus en plus de pays capables de participer à la prise de décision, ce qui veut dire aussi de mettre en œuvre les décisions qui sont prises, alors on aura plus que jamais besoin de boussole, de cadre de référence. Et je vais tordre le cou à une dernière idée qui m'est chère, celle des réalistes. Il ne faut pas avoir peur que la Russie perde la guerre. Le monde n'existera pas sans la Russie. Il n'y aura jamais de sécurité en Europe sans la Russie. Mais pas celle-là, pas cette Russie-là. On n'est pas obligé, parce qu'on soutient l'idée que, évidemment, la Russie est au, je ne peux pas dire au cœur, mais enfin, est un élément fondamental de l'Europe, de sa prospérité, de sa sécurité, ne veut pas dire qu'on doit accepter le régime de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est ce que, à mon avis, pensent les Ukrainiens, les Russes, les Ukrainiens encore plus, évidemment. Mais mon point est de dire la chose suivante. Je pense que par rapport à ce monde nouveau qui apparaît, il y a beaucoup de craintes, et notamment en France, à cause de cette vieille tradition, vous savez, cette vision fausse, selon moi, du gaullisme, où on serait à l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais entendu le général de Gaulle dire qu'on était à l'équilibre entre la Russie et les États-Unis. D'ailleurs, il l'a montré. Tu étais trop jeune. Non. Il l'a montré. Mais on a peur, finalement. C'est ça, la réalité. On a peur d'un monde où on va perdre nos repères. Et on se dit, nous, la France, alors là, quelle va être notre spécificité? Moi, je vais vous le dire. Notre spécificité dans le monde de demain, qui sera multipolaire ou qui sera celui d'un monde global au multilatéralisme global, comme dit Bertrand Badi, la spécificité, c'est l'Europe. C'est que nous, on ne sera jamais seuls. On sera avec l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Maurice. Merci beaucoup. Alors, d'une certaine manière, tu as fait la boucle de façon très pédagogique entre la partie d'exposition et finalement les éléments de réponse que tu fournis pour la suite. Donc, je vais abréger la partie de l'échange qu'on avait entre nous pour laisser surtout la salle. J'avais du coup trois commentaires et tu verras si tu souhaites y répondre. Le premier, c'est que je crois comme toi, en tout cas pour le droit international, qu'il y a des effets de saut, qu'il y a des effets de cliquer, c'est évident. On a eu à travailler ensemble sur la problématique de la mise en place de la CPI. Ça remonte 1919, est-ce qu'on met en cause ou non la responsabilité de Guillaume II, puis ensuite il y a eu Nuremberg, puis ensuite il y a eu justement le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, la CPI. Voilà, mais alors, aujourd'hui c'est un peu bloqué, les États-Unis ne sont pas signataires. Alors quel serait, j'allais dire, le prochain effet de cliquet qu'il faudrait provoquer
Est-ce que l'Europe, l'extraterritorialité du droit, on voit comment elle est appliquée par d'autres, elle pourrait peut-être être appliquée positivement, en tout cas, pour condamner les crimes qui sont dans le champ de la CPI. Ensuite, la deuxième question, c'était sur, peut-être sur le modèle, là aussi, des Nations Unies, mais tu en as apporté quelques éléments, enfin, des éléments de réponse. On voit bien une... Moi, je suis frappé par le fait que, globalement, on accuse le coup d'un système de l'ONU qui ne marche pas. Et donc, comme on est à l'origine de ce système après 1945, puis ensuite de l'avoir revitalisé en 1990 sans l'avoir réformé, au fond, de ne pas être porteur aujourd'hui d'une proposition. Alors, les Chinois font leur proposition, elle a un certain écho. Quelle est notre proposition au-delà de la question de la réforme des institutions? Et il y a justement dans la problématique chinoise des droits de l'homme et en revanche de leur engagement pour la protection de patrimoine de l'humanité, de l'environnement, des éléments de réponse et dans lesquels on est également tiraillé. Donc ça, c'était la deuxième remarque. Et puis enfin, c'était celle sur l'opinion mondiale. C'est vrai qu'il y a eu une opinion mondiale qui a été d'autant plus portée qu'il y a eu des truchements, qu'il y a eu des médiateurs et d'une certaine manière, même Greta. Et c'est trouvé, incarner une forme de médiation parce qu'à un moment, il faut exprimer. Et c'est vrai qu'à l'inverse, instrumentalisé par beaucoup de ces pays que tu as cités, les réseaux sociaux sont des éléments de dislocation ou d'effritement d'une opinion mondiale positive pour porter certains sujets. Donc comment on réagit face à cette question? Juste un peu, voilà, comme des commentaires, mais plutôt pour laisser la salle te poser des questions, sauf si tu réagis là ou plutôt après. Non, avec... Juste un mot sur le... Je pense qu'il est temps aujourd'hui de définir le crime d'agression. C'est très très difficile, vous le savez. C'est aussi difficile que de définir le terrorisme. Ce sont deux écueils sur lesquels les Nations Unies ont buté depuis des décennies. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cas de l'Ukraine, certains ont appelé. Moi j'ai signé une pétition justement lancée par Philippe Sens, l'auteur du Retour à Lemberg, qui raconte la naissance des concepts de génocide et de crimes contre l'humanité. Moi, je me suis prononcé pour un tribunal Russell. Il faut qu'on crée un tribunal international pour juger de l'agression, puisque le crime d'agression ne fait pas partie des compétences de la Cour pénale internationale. Ça, c'est la première chose. En revanche, le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en font partie. Et donc, c'est là-dessus, d'ailleurs, que s'est basé le procureur pour ouvrir une enquête à laquelle beaucoup de pays contribuent, notamment l'Union européenne. Donc définir le crime d'agression. Tout le problème de la mise en œuvre du droit, ce sont les mécanismes de surveillance et de contrôle. Et là, toute la difficulté, c'est que clairement, les pays, par définition, qui s'opposent à ce qu'on leur oppose les droits humains, s'opposent à toute création de mécanismes contraignants. Et si on est démocrate, on ne peut pas le leur imposer. Démocrate et réaliste, d'ailleurs. Bon. Donc on doit alterner en permanence entre le blaming and shaming, l'exposition médiatique, les pressions, les interventions discrètes donc qui ne sont pas connues de l'opinion publique, qui le reprochent à ses propres gouvernements, c'est compliqué. Mais je crois surtout qu'il faut parler. Je veux dire, dans le cas du Xinjiang, relisez la convention. Il y a une convention contre le crime de génocide, 1948. Il faut la lire. Tout est dedans. Le million d'Ouïghours qui sont enfermés dans des camps, qui doivent réciter la pensée de Xi Jinping publiquement 10 fois par jour, qui n'ont plus le droit de parler leur langue, qui n'ont plus, évidemment, plus le droit d'aller à la mosquée, etc., qui sont enlevés à leurs parents. Les enfants ouïghours sont enlevés à leurs parents pour être donnés à des couples stériles Han. C'est un crime de génocide. Enfin, pour moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais pour moi, c'est une évidence. Donc là, il faut aussi se battre. Le Parlement français l'a fait. L'Europe a adopté un mécanisme, ça c'est une nouveauté quand même. Alors on a dit c'est pour copier les Américains, ce qui évidemment en France veut tout dire, puisque c'est le crime absolu, c'est de copier les Américains. On a créé notre propre loi Magnitsky, si je puis dire, puisqu'on a créé un instrument dit des droits de l'homme en 2021 qu'on a appliqué dans le cas de Hong Kong à quelques Chinois, dans le cas du Xinjiang et récemment dans le cas de l'Iran, à quelques responsables de ce qui s'y passe. Donc les choses viennent.
Et moi, je crois beaucoup à l'exemplarité de l'Union européenne. La RGPD, c'est vraiment une invention européenne que le monde entier est en train de nous copier et qui va servir de base aux réflexions qui ont été lancées dans le monde sur comment on va essayer de créer une instance de régulation de l'Internet, en réalité, puisque la seule instance qui existe, l'ICANN, est aux mains, en réalité, des multinationales professionnelles américaines. Moi, je crois que c'est là que l'Europe a un rôle fondamental à jouer, qu'il ne faut pas avoir le sanglot de l'homme blanc. Bien sûr que l'Europe a fait des choses épouvantables, enfin, ça commence à dater, d'abord. Et deuxièmement, rendons-nous compte combien les gens nous suivent et attendent de l'Europe. S'il y a tous ces migrants qui meurent en Méditerranée, malheureusement, c'est parce qu'on n'en veut pas ou parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à chez nous, mais c'est quand même parce qu'ils partent de chez eux pour venir chez nous. Et d'ailleurs, là aussi, il faut tordre le cou à des contre-vérités. Si j'en crois certains démographes et historiens, il n'y a pas plus de migration internationale aujourd'hui qu'il y en avait au Moyen-Âge. Simplement, il n'y avait pas la même conception des frontières à l'époque. Mais tout le monde migrait depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité est humanité. Les gens migrent. Bon, bref. Donc là, si ces gens viennent chez nous, c'est quand même parce qu'ils trouvent que ce n'est pas si pire, l'Europe. Donc, il faut assumer cette responsabilité-là, pacifiquement et de manière ouverte. Alors, j'ouvre les questions de la salle en commençant, c'est la règle, par les étudiants et ensuite les auditeurs libres. Alors, il y a plein de questions ici, là, mademoiselle, là-haut. Allez-y. Bonsoir. On ne voit pas là. Allez-y. Allô ? Non, oui, ça marche. Non, merci. Oui. Bonsoir. Merci déjà pour votre intervention. J'avais une question. Je suis désolée parce qu'elle va sans doute être très maladroite et peut-être un peu manquer de hauteur. Mais j'avais une réflexion par rapport à la responsabilité de protéger que vous invoquiez tout à l'heure. Et notamment, comment est-ce qu'on pouvait, en tant que nous, la France, essayer justement d'intervenir sur différents théâtres d'opérations au nom de cette responsabilité de protéger, notamment par exemple en Afrique, sans être taxé de néocolonialisme, et comment s'affranchir de cet héritage un peu complexe. Voilà, merci. Merci. D'autres questions, Victoria? Pas plus de trois, parce qu'après j'oublie après. Alors, j'ai une question de Sacha Wardes. On le salue. Les trois piliers de l'action des Nations Unies que vous avez cités, elle va être longue, transcrivent une vision occidentale qui est vue comme dépassée pour certains des relations internationales. Doit-on conserver ces seuls modes d'action au sein des Nations Unies, quitte à risquer d'isoler encore plus les Occidentaux? Et donc, je voudrais rebondir là-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme de l'ONU? Merci Sacha, qu'on salue à distance. Vous aviez une question vous-même? Eh bien, allez-y. Donc, j'avais deux questions à vrai dire. La première, c'est Monsieur Thierry de Montbrial soutenait il y a quelques semaines que les diplomates français et les diplomates des États démocratiques en général n'étaient pas assez formés pour mener la bataille des mots et des concepts dont vous avez parlé. Ma question est, pensez-vous qu'il faut mieux les équiper pour lutter et pour faire face à la propagande idéologique des régimes autoritaires? Et donc ma deuxième question, c'est comment pensez-vous que les Nations Unies peuvent concilier le système croissantiel et le système, donc le libéralisme économique sur lesquels l'ordre international est fondé, avec le respect des droits humains? Merci beaucoup. On prendra une deuxième série de questions après. Oui. Sur la R2P, c'était mademoiselle, sur la responsabilité de protéger, comment on concilie d'une manière extrêmement simple, c'est la base de la responsabilité de protéger, mais je veux revenir au droit d'ingérence, parce que c'est le droit d'ingérence qui est responsable, c'est là. C'est la promotion du droit d'ingérence. Quand la France a déposé ses premières résolutions, notamment rédigées par l'immense Mario Bettati, qui nous a quittés, c'est en 1988, c'est le droit des victimes, l'accès aux victimes, la création de corridors humanitaires. Donc, quand il y a des catastrophes, il y a une victime,
il faut pouvoir y accéder. Mais le corollaire, plutôt, c'est pas un corollaire, d'ailleurs, c'est de manière consubstantielle, c'est parce que les victimes ont appelé à l'aide qu'on va vers elles. Donc on peut débattre à l'infini dans les universités pour savoir si c'est du colonialisme ou pas. Quand les premiers médecins de la Croix-Rouge internationale ont franchi la frontière entre guillemets du Biafra, malgré l'interdiction de la Croix-Rouge internationale, du CICR, d'aller soigner les blessés, ils ont dit quoi? Il faut relire les textes de l'époque. Il y avait des blessés, ils avaient besoin d'être secourus, on était médecins, notre devoir c'est de sauver des hommes, on l'a fait. On ne s'est pas occupé de savoir si les gens étaient d'accord ou pas, les gens, les gouvernements, les autres, etc. Et d'ailleurs, comme vous le savez, les Biafrais mouraient essentiellement du fait d'une famine liée au blocus épouvantable que lui imposait le régime du Nord, enfin de Lagos, du reste du Nigeria. Donc cet appel des victimes, il est fondamental. C'est ce qui donne la légitimité à toute l'action humanitaire, quelle qu'elle soit, celle des ONG, aussi bien que celle des Nations Unies ou celle des États. Si on ne vous appelle pas à l'aide, vous n'êtes pas légitime. Alors, c'est là où il faut faire attention, et c'est là que le progrès a été accompli, à mon avis, par la responsabilité de protéger, qui est une façon de camoufler, de ne pas utiliser le mot ingérence, c'est qu'il y a l'appel des États. Le cas le plus typique, c'est le tremblement de terre. D'ailleurs, la première application du droit d'ingérence après les fameuses résolutions, ça a été un épouvantable tremblement de terre dans le Caucase, en Arménie, si je me souviens bien, où l'URSS a appelé à l'aide la communauté internationale. Et là, on l'a vu encore avec la Turquie ou avec d'autres cas. Donc ça, c'est un cas simple. Évidemment, les cas plus compliqués, c'est les victimes de guerres civiles ou d'exactions de groupes organisés. Et là, évidemment, on ne peut pas attendre des États. Alors, soit les États s'en occupent eux-mêmes, font le ménage, luttent contre les groupes armés et s'occupent de leur population, parce qu'il ne s'agit pas d'aggraver la situation, soit ils ne s'en occupent pas, et c'est dans ce cas-là que les fameux articles 138 et 139 du communiqué du sommet mondial de 2005 intervient. À ce moment-là, la communauté internationale a un devoir d'ingérence qui se transforme en droit d'ingérence si le Conseil de sécurité adopte une résolution. Donc, contrairement aussi à ce que tous les régimes autoritaires ont expliqué, à aucun moment le droit d'ingérence ou la responsabilité de protéger suppose qu'on intervient militairement sans couverture internationale. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, dans tous les cas d'intervention dite humanitaire, contestée ou pas, ça c'est un autre sujet. La Libye, mais avant il y avait eu la Somalie, mais souvenez-vous, vous avez oublié, enfin vous n'avez pas connu ça, mais la première résolution, c'est la 688, c'était l'exode des Kurdes terrorisés par Saddam Hussein, qui s'enfuyaient vers la frontière turque. Les Turcs ont fermé la frontière, c'était la catastrophe absolue. On était en plein hiver. Et donc, on a eu une première résolution du Conseil de sécurité qui a autorisé le déploiement d'un dispositif humanitaire, avec ou sans protection des corridors humanitaires par les militaires. Hein. Ça, c'est une autre question. Mais donc, dans le dispositif réel, je pense qu'il y a des manuels aujourd'hui qui expliquent ça mieux que moi, appel des victimes, légitimation par les Nations Unies, décision éventuelle du Conseil de sécurité s'il y a recours à la force pour protéger les corridors humanitaires, ceux qui refusent ça vous disent c'est du colonialisme. C'est assez rarement, là encore, des victimes qui vous disent ça, je ne sais pas pourquoi. Sur la troisième question, pardon, je reviendrai à la deuxième qui est plus compliquée. Est-ce que les diplomates sont formés ou pas? Je vais vous faire une réponse épouvantable. Les diplomates ne sont pas formés du tout. À quelques exceptions près. Les seuls qui sont un peu formés, enfin, je ne sais pas, ça va peut-être changer, mais enfin, c'est ceux qui faisaient Langso, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, ça s'appelle l'INALCO, et qui donc ont des cours de langue et civilisation. Mais c'est paradoxalement ce que je vous dis, plaide justement pour qu'on conserve la spécificité des corps de diplomates. Parce que c'est sur le terrain que ça s'apprend, par la pratique. On n'apprend pas la négociation dans un amphi. Même si, je vous signale, il y a des modèles UN formidables, et je dois dire en tant que vice-président de l'AFNU que, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais l'Association des Nations Unies de la Sorbonne, c'est top, on fait plein de choses avec elle.
Il y a des modèles UN pour apprendre à négocier, on se met à la place des pays, etc. Bon. Mais globalement, il y a très peu de formations spécifiques. Il y en a au sein du Quai d'Orsay, bien entendu. Enfin, on parlait de la France. Je pense que Montbriel parlait de la France. C'était par rapport à la réforme du... à la réforme de la fonction publique et du Quai d'Orsay. J'imagine qu'il a dit cette phrase sur le fait que les diplomates devraient être mieux formés, mieux équipés. Montbriel, non, je ne sais pas, j'imagine. Bon. Mais je vous rassure, ce n'est pas avec ce qu'on apprend à l'ENA qu'on devient un bon diplomate. Ou un mauvais, d'ailleurs, je veux dire, peu importe. Parce que, bon, on a des cours de relations internationales, mais ce n'est pas le sujet. En revanche... ce qui est désastreux, c'est de vouloir supprimer le corps des les corps. Enfin, il ne faut pas dire le mot corps parce que c'est corporatiste. Moi, je ne suis pas contre personnellement la réforme de l'ENA. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Ce qui était grave, c'était de vouloir supprimer le corps des fonctionnaires d'Orient, parce que c'est là qu'il y a une spécificité. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, moi, excusez-moi, mais enfin, si vous êtes directeur d'hôpital. Chef d'une caserne ou commandant régional de pompiers ou sous-préfet à Marmande, vous ne pouvez pas du jour au lendemain être parachuté en Afghanistan, ce n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas être directeur d'hôpital. Et nous faire croire que tout le monde peut tout faire, c'est très sympathique, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y en a peut-être X%. Bon, qu'on mélange plus les gens, ça, je pense que le Quai d'Orsay, il y a eu un entre-soi qui était désastreux, mais ça fait longtemps que les corps doivent s'ouvrir. Mais supprimer le corps d'Orient, c'était une ânerie totale, et donc je comprends qu'il a été conservé. Alors, de ce fait, Montbriel sera content, Thierry sera content, le Quai d'Orsay, d'ailleurs, vient de créer une école pratique des métiers de la diplomatie pour mieux former ses propres diplomates, mais je pense encore une fois... que c'est dans l'expérience, dans la difficulté, dans l'expatriation. Il n'y a pas besoin d'être diplomate pour être expatrié, hein. Mais les gens qui vivent l'expatriation, qu'ils soient militaires, diplomates, chefs d'entreprise, commerçants, artistes, ils vivent à la fois la difficulté de l'expatriation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'extraordinaire enrichissement que ça représente, etc., etc., et que vous acquérez tout au long de votre vie. Moi, je suis arrivé en Chine, je vais être honnête avec vous, je ne parlais pas chinois. Je ne le parle toujours pas, je vous rassure. J'ai baragouiné un petit peu de pinyin au bout de quelques mois pour faire semblant. Mais ça ne veut pas dire que je ne connaissais pas la Chine et la diplomatie chinoise. Moi, j'avais 30 ans de Nations Unies derrière moi, croyez-moi. J'en avais vu des ambassadeurs chinois et on en avait mené des négociations. Et quant aux Russes, n'en parlons pas. Donc et puis j'avais été sur le terrain dans d'autres pays. Il y a des choses qui s'apprennent et qui sont irremplaçables. Pour moi, pour faire des bons diplomates. Et je dois dire que c'est incompréhensible de penser qu'un pays qui se flatte d'avoir le troisième réseau diplomatique du monde et qui se flatte d'avoir des vocations universelles et une ambition mondiale de vouloir supprimer ses diplomates. Ça, je dois dire que là, honnêtement, les bras m'en sont tombés quand j'ai appris ça. Heureusement, si je comprends, on va faire comme d'habitude en France, on va faire une côte mal taillée, ça sera la moitié, on en supprime la moitié, mais pas l'autre moitié. Bon, on verra comment ça se passera. Sur croissance, sur le libéralisme et les droits de l'homme, ça, pour le coup, c'est une vieille question. Il y a eu des initiatives très importantes prises aux Nations Unies qu'on connaît moins bien, mais ce qu'on appelait par exemple le pacte global, le truc que Kofi Annan a inventé. On a ouvert à la signature des grandes entreprises dans le monde une sorte de pacte de responsabilité. C'est de la RSE avant l'heure, si vous voulez, au niveau multilatéral. Le Global Compact, voilà, en anglais, le Global Compact, où les entreprises s'engageaient à respecter un certain nombre de règles, notamment en matière de droits humains, mais aussi aujourd'hui, évidemment, en matière environnementale. C'est l'ancêtre de la RSE, en France en tout cas, peut-être que dans d'autres pays ça s'est fait plus rapidement, mais donc, évidemment, c'est conciliable, c'est difficile aussi. Mais si vous allez par là, le principe pollueur-payeur qui a été quand même adopté il y a très 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 longtemps dans les conférences des Nations Unies sur l'environnement, la taxation des super bénéfices, la RGPD, tout ça c'est quand même aussi une façon de concilier l'économie libérale de marché, ou l'économie de marché disons, parce qu'elle n'est pas forcément ultra-libérale, l'économie de marché et la liberté disons du commerce et de l'industrie, et les droits de l'homme. Mais c'est un des problèmes les plus complexes. On a fait reproche, vous le savez, à Total d'être resté en Birmanie, à Lafarge d'être resté en Syrie sous l'État
tout ça est vrai. Alors, en même temps, est-ce que ça justifie les boycotts nationaux? Enfin, il y a des tas de gens qui ont des tas de théories là-dessus, ça c'est à vous de voir. Les boycotts, ça permet d'attirer l'attention sur certaines situations. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis honnête avec vous, avant d'acheter chinois, je regarde dans quelle province ça a été fabriqué. Moi, je n'achèterai pas du coton qui a été tissé au Xinjiang. Mais c'est ma responsabilité personnelle. Il faut aussi que les citoyens assument. Enfin, là, vraiment, je parle à titre totalement personnel et on a le droit, évidemment, d'être totalement en désaccord. Sur les trois piliers des Nations Unies et les Occidentaux, bon, on peut dire que tout est occidental puisque c'est l'Occident qui a créé les Nations Unies. D'ailleurs, la Russie fait partie de l'Occident d'une certaine façon, hein, notamment en termes juridiques ou etc. Mais c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé, je croyais l'avoir expliqué dans les années 70 et 80, c'est que justement la montée au sein des Nations Unies des pays du Sud a complètement transformé le centre de gravité, le centre de décision. Aujourd'hui, aux Nations Unies, 90% de l'attention et de l'énergie est consacrée au problème du développement durable, de l'économie, à la protection sociale, à la lutte pour les droits humains. Alors, il y a ceux qui vous disent les droits humains, c'est occidental. Bon, cela, moi, je réponds même plus, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas, c'est bon. Et puis, par ailleurs, je voulais mentionner le sommet mondial de 2005, quand même, c'est le plus grand sommet de l'humanité jamais, enfin, de enregistré en tout cas, puisqu'il y avait, je ne sais plus, 185 ou 190 chefs d'État et de gouvernement, c'est quand même du jamais vu, a adopté les deux piliers supplémentaires, et ça c'était aussi vraiment le combat de Kofi Annan à qui il faut rendre hommage, qui était le développement durable, l'environnement et les droits humains, qui n'était pas un des piliers, puisque comme je l'ai expliqué, la charte l'avait écarté. Voilà, donc moi je crois que c'est très simplificateur de dire qu'aujourd'hui les Nations Unies, il n'y aurait pas autant de défenseurs des Nations Unies. Les plus ardents défenseurs des Nations Unies aujourd'hui, ce n'est pas les grandes puissances, c'est les grands pays du Sud. Parce que c'est enfin un endroit où on peut les entendre. Alors celles qui sont arrivées au G20, ça va, elles ont leur forum, c'est bon. Mais les autres, où est-ce qu'on les écoute en dehors des Nations Unies? Parce que posons-nous la question. Et s'il n'y avait plus les Nations Unies, il y aurait quoi à la place? Ceinture et route? Un autre jeu de questions. Monsieur, là-haut, mademoiselle, madame, monsieur, allez-y. Bonsoir. Si j'ai bien compris la structure de votre intervention, elle était divisée en deux grands chapitres, les grandes réalisations et les souhaits que vous avez traduits par « il faudrait que ». Homme d'entreprise, j'ai du mal à dissocier la réflexion et l'action. Et je sais, connaissant et ayant un goût certain pour l'histoire, que les grandes idées, en un temps, ont été portées par des grands hommes. Or, il semblerait que ces grands hommes ont aujourd'hui disparu. Et je me permettrai de vous poser une question. C'est la même que j'ai eu la chance de poser à un ambassadeur de Russie en poste à Paris il y a 5 ans. Et je lui avais posé la question de savoir comment il voyait l'homme à 2 ans. Ça doit être bon. Son successeur. Ah, Mishkov. Voilà. Et il m'avait répondu avec beaucoup d'intelligence. Il m'avait dit, j'aurais préféré que vous me posiez la question de savoir comment je vois le monde à 30 ans, parce que d'ici 30 ans, j'aurais oublié la question. Donc je vais être plus gentil que je l'ai été avec lui, avec vous ce soir. Comment voyez-vous le monde à 5 ans? Merci, madame. Bonsoir. Vous avez évoqué le fait que le dialogue se passe... Je suis là, je ne sais pas si vous cherchez des yeux, mais... Levez-vous, mais on vous voit. Oui, bien sûr. Le fait que le dialogue a toujours lieu au sein des Nations Unies, notamment pendant la guerre en Ukraine, nonobstant ce que certains peuvent en dire, était-ce une critique à peine voilée à la position d'Emmanuel Macron, du président, qui a souhaité continuer le dialogue avec Vladimir Poutine? Et deuxième question, au vu de la situation ou du tableau que vous nous avez dressé sur la Chine d'aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner au président qui sera en Chine en avril, quel serait-il? Merci beaucoup. Merci. Alors, on prend deux dernières questions. Allez-y, ça nous fait plaisir de vous revoir. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette présentation. J'aurais une question, pardonnez-moi si elle vous semble un peu impertinente, mais
Vous êtes un ambassadeur qui a vécu toute une vie de diplomatie. Et j'aimerais vous proposer peut-être un petit exercice pratique. Nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. Je suis un membre temporaire du Conseil de sécurité, mettons un Kazakh. Et vous êtes le représentant français. Comment est-ce que vous essayez de me convaincre d'une intervention, de la légitimité d'une intervention au Xinjiang en Chine, ou au moins d'une condamnation du régime chinois? Quels arguments est-ce que vous utilisez quelle voix, quels arguments? Merci. Alors, la dernière question à vous, mademoiselle, madame. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de doigts mais qui se lèvent, mais voilà, allez-y. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre petit rappel de droit international. J'ai une question. Je suis journaliste maintenant, mais j'ai été une ancienne étudiante de ce master. Du coup, je connais très bien le nom de Greta Thunberg et je voulais savoir quel était le travail des organisations internationales en Amazonie, notamment. Je parle d'un peuple en particulier qui est le peuple des indigènes, et avant de parler de Bolsonaro ou même Lula, voilà, de la condition des Yanomami au Brésil, et je parle de ce peuple en particulier puisqu'en tant que journaliste on reçoit souvent les photos de l'AFP traitant des conditions désastreuses des indigènes en Amazonie. Donc voilà, je suis journaliste, je ne veux pas me faire dépeceler forcément, mais j'aimerais bien juste savoir quel est votre travail là-bas. Merci beaucoup et ça nous fait plaisir de vous revoir. Et il n'y a plus... C'est un peu... Tu as la dernière question, bon, tu vois les compacter. Oui, on va tout compacter. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence. Vous l'avez évoqué au tout début, vous avez parlé des Balkans. Du coup, j'en profite pour faire une question. Dans la dernière revue politique étrangère de l'IFRI, celle de cet hiver dédiée aux Balkans, on voit que la situation est très critique. On sent même peut-être un éclatement dans les prochaines décennies ou prochaines années. En tout cas, de nombreuses tensions. Quelle perspective vous avez pour les Balkans et quelle solution pour régler les problèmes communautaires encore latents? Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Je ne suis ni secrétaire général des Nations Unies, ni président de la République, ni même ministre des Affaires étrangères. Je vais aller du plus facile au plus difficile. Sur l'Amazonie, moi, je ne travaille pas aux Nations Unies, donc je ne peux pas vous faire la liste de tous les programmes des Nations Unies. Mais... Vous êtes journaliste, vous avez travaillé sur la question, donc vous savez aussi bien que moi. D'abord, les droits des peuples autochtones, c'est un sujet essentiel, c'est devenu un sujet fondamental aux Nations Unies. Je ne parle même pas des sessions spéciales qui y sont consacrées. Et chaque année, dans mes souvenirs, on avait soit la Commission des droits de l'homme, soit l'ECOSOC, soit l'Assemblée générale, des délégations qui venaient, notamment d'Amérique du Sud. Et je dirais que de ce point de vue-là, les choses ont été un peu boostées, si vous me passez l'expression, avec l'arrivée au pouvoir de Morales, qui a quand même donné une sorte de... qui a aidé à redonner une sorte de légitimité à la cause des autochtones en Amérique du Sud. Il a joué un rôle vraiment immense de ce point de vue-là. Pour moi, c'est un grand homme dans ce secteur-là, des évolutions qui sont passées. Je me souviens de notre stupeur à tous quand on a découvert que le nouvel ambassadeur était une patronne d'ONG. Voilà, tout était dit. Donc ce que je veux dire, c'est que l'avenir, le sort, la protection, mais aussi les réparations dues aux peuples autochtones est un sujet qui n'est pas omis aux Nations Unies. Alors, sous quelle forme et dans quel détail, ça, honnêtement, moi, je suis quand même... j'ai quitté... mon dernier poste aux Nations Unies, il y a quand même très longtemps, donc je ne voudrais pas dire des bêtises. Deuxièmement, la lutte contre le changement climatique et contre la perte de biodiversité, évidemment, porte ou prend en compte au premier rang les questions liées à l'Amazonie. Alors ça paraît évident à tout le monde quand on parle de déforestation, mais il y a un autre élément peut-être presque aussi fondamental qui a été pris en compte par tout le monde, c'est celui de la perte de biodiversité, notamment de son impact, d'une part sur les populations autochtones elles-mêmes, avec la perte de ressources naturelles, et y compris en termes médicaux, donc des traditions ancestrales qui ne pouvaient plus être
respectée à la fois sur le plan culturel, religieux, Pachamama, la terre mère, c'est comme ça qu'on dit, hein, mais aussi sur le plan médical. Tu sais, quand il y a eu, quand j'étais à Genève aux Nations Unies, il y avait un grand débat sur, c'était avant même le Covid, le SRAS, etc. On discutait, c'était après le SRAS. On discutait de ce fameux problème de l'accès aux médicaments et notamment du droit pour les pays du Sud de ne pas respecter les lois sur le paiement des royalties aux laboratoires de recherche pharmaceutique. Et moi, j'ai toujours trouvé la légitimité, j'ai défendu ce point de vue vis-à-vis de mon propre gouvernement, que les ressources qui permettaient aux laboratoires, les ressources naturelles qui permettaient aux laboratoires de faire leurs recherches, c'était le pillage de la forêt amazonienne notamment, qui fournit, je ne sais plus, une quantité invraisemblable des principes qui sont utilisés dans le domaine pharmaceutique, en privant encore une fois les peuples autochtones de l'accès à ces ressources, et des ressources financières qui pourraient en découler. Donc c'est un sujet, là encore, qui a été énormément discuté, et qui, le fait d'en avoir parlé a servi au moment de la pandémie du Covid, parce que ça a accéléré, je pense, on a discuté, vous le savez, du fait de suspendre ou pas les droits sur les vaccins, avec l'impact éventuel que personne n'est capable de mesurer à l'avance, que ça aurait pour décourager, disaient les laboratoires, la recherche. Et en tout cas, la solution, c'est pour ça que la solution du COVAX a été choisie finalement, c'est que ça permettait, tout en respectant les règles, mais il y avait eu avant cette formidable initiative française, là encore, comment ça s'appelle, c'est United, non, le fonds qu'on a créé pour faire baisser le prix des médicaments. Donc vous savez, c'est ces achats globaux sur le marché pour revendre des médicaments dans les pays du Sud à moitié prix. Le siège est à Genève, sauf erreur de ma part. Donc ça, c'est déjà deux secteurs dans lesquels, clairement, trois secteurs dans lesquels, clairement, les Nations Unies prennent en charge les problèmes. Cela étant, je crois qu'il est clair de rappeler que une au pluriel des premières victimes, parmi les premières victimes du changement climatique et de la perte de la biodiversité, ce sont les peuples autochtones. Parce que vous citez l'Amazonie, mais les Nénets sont en train de disparaître avec la fonte des neiges et de la taïga, le réchauffement de la taïga en Russie. Il y a des populations dans le Grand Nord canadien qui sont en train de disparaître. Il y a des populations entières, il y a des îles du Pacifique qui vont être rayées de la carte. Or, tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas grand monde dessus. Enfin, ceux qui sont dessus, ils auraient aimé peut-être y rester. Donc voilà, le problème des autochtones est aujourd'hui un sujet, à mon avis, qui mériterait qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Sur les Balkans, je vais dans le sens inverse parce que votre question c'est la plus difficile, c'est quoi les Nations Unies dans les 5 ans. Dans les Balkans, oui, la situation est difficile. En même temps, je ne sais plus où était la question. J'ai oublié. Ah, c'était vous. Oui, la question est difficile. Cela dit, elle l'a toujours été. On va pas refaire un cours d'histoire sur sur les Balkans. Moi, pour avoir avec Bernard Kouchner mené quelques opérations humanitaires pendant la guerre en Bosnie, en Croatie, puis au Kosovo. Voilà, il y a une histoire épouvantable d'alliances, de contre-alliances, de guerres civiles. Les guerres civiles ont quelque chose d'atroce. C'est idiot à dire. Bon, c'est pas plus brillant quand c'est une guerre entre États, mais se tuer entre voisins, se tuer au sein des mêmes familles, c'est quelque chose d'incroyable. Bon. Une bonne partie des Balkans, quand même, vit aujourd'hui dans la paix, si ce n'est la totalité. Encore une fois, j'ai donné l'exemple de la Macédoine. Certains d'entre eux ont été acceptés comme pays candidats à l'Union européenne. Tout le monde l'oublie, mais il y a 6 candidats officiels. Et parmi les candidats officiels, alors je vais sûrement me tromper ou en oublier, il y a l'Albanie, il y a la Serbie, il y a le Monténégro. Non, pas tous, il en manque un. Il n'y a pas le Kosovo, ça c'est sûr. Oui, il y a tout. Oui, bon. Voilà. Et alors, évidemment, la marche vers l'Union européenne ne va pas être la même pour tout le monde, parce que la situation, il faut quand même être honnête, vous savez que l'adhésion, ça suppose la convergence sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan des libertés, des droits humains. Et là, il y a du progrès à faire quand même, encore pour beaucoup de ces pays. Mais c'est pour ça que l'Union européenne a développé des programmes, et la France insiste beaucoup là-dessus. C'était, sauf erreur de ma part, une des priorités de notre présidence, mais c'était déjà il y a longtemps, celle d'avant, où on avait créé un sommet des pays des Balkans de l'Ouest,
je vois que Nicole est plus calée que moi, mais parce que cette situation nous préoccupe beaucoup. Alors, par ailleurs, les relents de nationalisme qui subsistent, c'est clair que le régime serbe, à mon avis, ce n'est pas demain qu'il va appliquer les chapitres 23 et 24 de la négociation d'adhésion sur les libertés fondamentales et les droits humains. Hein. Il y a en plus un souci de ce point de vue-là. Et puis, le conflit du Kosovo n'est pas complètement éteint, parce que le nationalisme est partout. Le nationalisme est une plaie qui met des générations à s'éteindre, des générations à s'éteindre. Donc je pense que oui, les Balkans de l'Ouest sont occidentaux, sont certainement une zone de tension. Alors on pensait d'ailleurs plus à elle qu'à l'Ukraine quand on pensait qu'il pouvait y avoir des déflagrations militaires, ce qui est tout à fait, parce que personne ne prenait au sérieux Vladimir Poutine. Vous savez, ceux qui pensent aujourd'hui qu'il a changé, ce que je ne pense pas, il n'a pas changé. Comme chantait je ne sais plus qui. Bon, bref, donc les Balkans, oui, c'est un sujet de préoccupation. Sur le Kazakhstan et la France au Conseil de sécurité, je ne vais pas faire un modèle UN rien que pour vous. On s'entend très bien avec les Kazakhstanais, d'ailleurs, qui est un pays extrêmement important, comme vous le savez, et notamment dans la période actuelle. Je m'excuse, je réponds sur le Kazakhstan, comme ça c'est plus facile pour moi. Parce que le Kazakhstan a cette particularité d'avoir toujours, sauf erreur de ma part, entre 20 et 25% de population, quote-unquote, russe, en tout cas russophone. Et que quand le président Poutine dit, pour montrer qu'il n'a pas changé, il l'avait dit très clairement en 2007, sauf erreur de ma part, à l'affaire Stund à Munich, là où il y a des Russes, il y a la Russie, ben les Kazakhstanais, ils savent ce que ça veut dire. Et ils ont déjà donné. Alors, ils ont beau être dirigés encore par un dictateur qui est le fils du dictateur d'avant ou celui d'après, je ne sais plus. Enfin, c'est probablement la même chose. Bah, ils n'ont pas très envie quand même. En Asie centrale, globalement, je pense que la guerre en Ukraine, l'agression contre l'Ukraine a été vécue comme une mise en garde terrible. D'ailleurs, c'était voulu. Je pense que c'est un des objectifs de Vladimir Poutine. Au-delà du fait qu'il pensait qu'il conquérerait Kiev en 3 jours, il y avait aussi cette idée de faire rentrer dans le rang définitivement la Géorgie, puis l'Arménie, qui de nouveau avait des intentions européennes alors qu'elle y avait renoncé, mais aussi les pays d'Asie centrale qui, eux, ont à la fois des ambitions européennes et sont de plus en plus attirés dans le giron chinois, comme vous le savez. Ne serait-ce qu'en vendant leurs ressources naturelles à la Chine, qui est de plus en plus présente en Asie centrale. Le sommet de Samarcande, ce n'était pas fait pour que Poutine et Xi Jinping se rencontrent. Hein. C'était Xi Jinping était allé faire son marché à la réunion de l'OCS à Samarcande, et Poutine a dû y aller parce que sinon il laissait le terrain à Xi Jinping. C'est ça la réalité. Bon. Donc voilà, le Kazakhstan, c'est ça. Comment le convaincre de quoi? Qu'il faut respecter les droits de l'homme? C'est dur avec les Kazakhstanais, hein, je vous le dis tout de suite. Dans les stands, je crois qu'il n'y en a qu'un. Ça doit être le Kirghizistan, qui avait connu vaguement une démocratie. Je crois qu'il y a eu un coup d'État, mais ça s'est arrangé un petit peu depuis. C'est pas des pays, disons que c'est les pays qui pratiquent des démocraties dirigées. C'est quand même des pays qui sont encore dirigés presque tous, soit par les anciens dirigeants du Parti communiste, soit par leurs fils. Il n'y a pas de femmes, sauf en ma part. C'est encore le droit d'aînesse qui joue. Ça ne s'appelle plus comme ça. Bon, pardon, je suis honnêtement sur... voilà, sinon ça serait trop long. Sur le dialogue, moi, je ne vais pas commenter ce que fait le président Macron. Mais je vais dire quelque chose de simple. Il faut parler à la Russie, bien sûr. Encore faut-il savoir ce qu'on a à dire. Et savoir... c'est vous, je crois. Hein. Et savoir ce dont les Russes sont prêts à parler. Parler pour ne rien dire, il y a sûrement des gens qui pensent que c'est ça la diplomatie. Moi, j'y crois pas une seconde, comme vous avez vu depuis 2 heures. C'est pas ma conception de la diplomatie. On parle pour préparer des discussions qui elles-mêmes permettent de préparer des négociations, qui elles-mêmes permettent de préparer des accords négociés. On en est loin. Mais parler pour se dire, ça serait quand même peut-être mieux d'arrêter de tirer sur des maternités, pourquoi pas? Parler pour dire, tu peux pas affamer la terre entière en interdisant les exportations de céréales. Je rappelle que 70% de l'alimentation en céréales du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, c'est du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, c'est la Russie et l'Ukraine. Donc ça, oui. Mais en dehors de ça,
Je vous avoue que il ne faut pas humilier la Russie, je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. Il ne faut jamais humilier personne. Le principe de base de la diplomatie, c'est que si vous humiliez la personne avec qui vous négociez, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pareil. Ce n'est pas le sujet. Moi, je vous dis quelque chose qui me paraît une évidence, mais qui me paraît importante. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas la réponse, mais pour moi, c'est la réponse. La paix en Ukraine, elle peut être faite dans la demi-heure. Il suffit que les Russes s'en aillent. Bah, écoutez, vous rigolez, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand on dit il faut parler à la Russie, il faut négocier quoi? Je te donne la Crimée, tu me rends le Donbass? C'est ça qu'on propose aux Ukrainiens? Enfin, moi pas en tout cas, ça c'est clair. D'abord, c'est les Ukrainiens qui décideront. Ils ont posé 10 conditions, l'Union européenne les soutient, d'ailleurs, les a endossées. Donc on va les laisser faire. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Et d'ailleurs, je comprends que le président Macron ne dit plus, depuis un certain temps, d'autres non plus, parce qu'il n'était pas le seul à dire ça. Mais encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Dire qu'il n'y aura pas de sécurité à long terme en Europe sans la Russie, sans un accord entre la Russie et les États-Unis, d'une part la Russie, l'Europe et les États-Unis, d'autre part, ça me paraît clair. Mais ça ne veut pas dire, avec la Russie de Poutine, pendant qu'il fait cette guerre. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et il ne faut pas mélanger les deux, parce que c'est nous faire croire qu'on ne peut pas faire autrement que de considérer que dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, du fait de la Russie, il y a des choses qui sont acceptables. Il n'y a rien d'acceptable. Rien. On en est à plus de 200 000 morts. Il y a des dizaines de milliers de populations civiles. Il y a un pays entier qui a été ravagé. Comme il n'a pas réussi à prendre Kiev, il veut détruire l'Ukraine. Et au passage, il détruit les Ukrainiens. Je ne dis pas qu'il y a un génocide, on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça ne va pas tarder si ça continue. Vous savez qu'on enlève des enfants en Ukraine, qu'on envoie dans des familles en Extrême-Orient. C'est documenté. Qu'on organise des convois pour ce qu'on appelait autrefois la traite des blanches, les femmes ukrainiennes. C'est une horreur absolue, cette guerre. Et pas besoin de vous parler du groupe Wagner, qui s'est rendu célèbre dans le Caucase, en Libye, au Mali, en Centrafrique, etc. Donc, rien n'est acceptable dans cette guerre. Donc, quand on me dit « il faut parler aux Russes », moi, je veux bien, pourquoi pas, mais de quoi? C'est tout le problème. Voilà, on en est là. Alors, sur la Chine, j'ai oublié quelle était la question. Est-ce qu'il faut dialoguer? Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil? J'en donne pas. Le président a dit qu'il irait en Chine le plus souvent possible. Je pense qu'il a raison, parce que c'est un partenaire important. Je rappelle que l'Union européenne est quand même le premier partenaire de la Chine. Et la Chine, le premier partenaire de l'Union européenne. Comme d'ailleurs, ce que tout le monde a oublié, l'Union européenne est le premier partenaire de la Russie. En tout cas, elle l'était avant la guerre. Elle l'est peut-être plus aujourd'hui. Et elle est le premier partenaire des États-Unis. C'est pas rien, quand même. Pour ceux qui sont un tout petit peu eurosceptiques. Donc voilà, il faut parler aux Chinois et il faut leur dire clairement, vous dites clairement que vous ne voulez pas des droits humains, des démocraties, eh bien nous ne voulons pas des droits humains version chinoise. Alors je ne vais pas trahir le secret de la confession, mais pour avoir été ambassadeur en Chine et y avoir accueilli le président Macron, entre autres, nous parlons aux Chinois. C'est là aussi l'avantage d'être européen, parce qu'il faut être honnête, quand on parle aux Chinois, être 27, ça aide hein, quand même, c'est, voilà, c'est plus facile. Mais ça compte. Et par ailleurs, je pense que la Chine, contrairement à la Russie, ne cherche pas à faire disparaître l'Union européenne, ne serait-ce que parce qu'elle a besoin du grand marché, du marché unique. Donc la Chine, elle veut affaiblir l'Union européenne, c'était le sens du groupe du soi-disant groupe des 16+1, ce qui d'ailleurs en dit long sur la conception chinoise des relations internationales. Le groupe s'appelait le groupe des 16+1, c'est formidable. On est monté à 17, puis maintenant on est descendu, je crois, à 14 ou 15, parce qu'il y en a qui sont partis. Donc, moi, je n'ai pas de conseil à donner, je m'en garderai bien. Sur le reste, les grands hommes, chacun portera jugement, les grands hommes ou les grandes femmes, d'ailleurs, j'ai remarqué que vous aviez dit les grands hommes, oui, comme au Panthéon. Bon, c'est facile, je reconnais. Que sera le monde dans 5 ans, j'en sais rien. Moi, je suis pas, je l'ai dit au début, je suis pas un universitaire, je suis pas un type très intelligent, je suis un praticien. Tout ce que je sais, de ce que j'ai appris et de ce que je vois, c'est qu'encore une fois, on est à l'aube d'une transformation colossale. Les sociétés civiles veulent décider de leur destin
y compris éventuellement parallèlement au processus démocratique des électoraux des sociétés démocratiques, ce qui en soi pose toute une série de questions. Comment on gère ça, cette espèce de double démocratie dans les pays démocratiques, et un ordre international qui est, pardon de l'expression, qui commence à être un peu cul par-dessus tête, avec des pôles de puissance qui émergent et une institution centrale qui s'affaiblit. Ça, je pense que le phénomène va s'accroître. Sauf si on arrivait à rendre une légitimité indiscutable aux Nations Unies, qu'elle n'a pas perdue. Parce que je rappelle quand même, y compris sur la guerre d'Ukraine, j'ai un peu brocardé notre secrétaire général, mais 141 pays ont condamné l'agression contre l'Ukraine. Quand même. Alors j'entends des gens qui me disent « c'est pas beaucoup ». C'est les trois quarts des membres des Nations Unies. Et ceux qui ont, et ils étaient aussi nombreux un an après que le premier jour. Et ceux qui ont soutenu la Russie, ils étaient quatre, dont la Corée du Nord, je le rappelle, la Corée du Nord, l'Érythrée, la Syrie de Bachar al-Assad et l'Iran. Aujourd'hui, ils sont sept. Donc, sept, ça veut dire qu'il y en a, ils sont six, donc il y en a deux de plus. Bon, moi, je veux bien qu'on m'explique que Vladimir Poutine a des alliés et que ce n'est pas vrai que le monde entier soutient les démocraties. Enfin, il ne faut pas non plus tordre les chiffres de la réalité, quand même, que des pays ne veuillent pas choisir, au sens où leurs intérêts économiques, militaires, financiers font qu'ils ne peuvent pas se prononcer quand une grande puissance est en cause, ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent la guerre d'Ukraine. Je n'y crois pas une seconde. Parmi tous les pays africains qui se sont abstenus, croyez-moi, ils ne soutiennent pas tous Vladimir Poutine. Ce serait se tromper complètement. Donc il y a une légitimité quand même aux Nations Unies quand il s'agit de dire le droit. Et je pense qu'il faut qu'on assume mieux cette responsabilité. Et si ça doit passer par l'Assemblée générale, vous savez que c'est une des pistes, clairement. Tout le monde se dit qu'il faudrait réinventer la fameuse résolution Hutchison de 1950 en rendant une capacité de prise de décision à l'Assemblée générale. On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Et si la multiplication des violations contre les droits humains continue, je pense qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va dire qu'il faut créer un autre Conseil des droits de l'homme, on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça dépendra aussi de la capacité des États membres à se projeter dans des Nations Unies renouvelées. Alors est-ce qu'on en veut vraiment ou pas? Ça, c'est un vrai sujet. Ou est-ce qu'on considère que c'est perdu, que c'est foutu, et on fait du bricolage, et on n'est pas les derniers? La France adore inventer des sommets ceci, des sommets cela, la terre entière vient à Paris. Ça fait pas toujours les affaires des Nations Unies, mais ça peut aider les Nations Unies à revivre aussi. Rien de ce qui se passe sur le climat ne se fait sans les Nations Unies. Rappelez-vous ça quand même, les accords de Paris, c'est sûrement grâce à la France. Enfin, c'est un petit peu aussi grâce à l'accord entre Obama et le président Xi Jinping. Et c'est un peu beaucoup grâce à 5 ans de préparation par les Nations Unies. Ce que tout le monde a oublié. Moi, j'ai travaillé avec Ban Ki-moon. C'était nuit et jour qui s'est occupé de la préparation de la conférence de Paris. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Mais voilà, au-delà de quelques éléments, j'espère que le recours à la guerre ne fera pas partie du plan dans les 5 ans qui viennent, malgré ce qui se passe. Alors, peut-être que les difficultés russes vont quand même en décourager certains. C'est ce que j'espère en tout cas. Et ce que j'espère que le président Macron dira aux Chinois à propos de Taïwan. Ce ne serait pas une promenade de santé. Merci beaucoup, Jean-Maurice. Et on se retrouve pas dans 5 ans, mais lundi prochain. Merci à tous.